profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La séance de trop. Bon, il est 18h55. Juste avant le quart d'heure de politesse, c'est parfait. J'espère qu'il tardera pas trop, j'ai pas envie de louper les pubs. Je sais, c'est débile, mais j'ai toujours aimé ça. Pour moi, ça fait partie intégrante d'une séance de ciné. Oula, faut pas que je tarde, moi. La séance est à 19h15. J'en connais une qui va piquer une crise si on n'y est pas avec au moins un quart d'heure d'avance. Quelle idée de sortir un soir pareil. Il fait un de ces froids. Eh mais, qu'est-ce que c'est que cette tache d'huile par terre? Elle est énorme! Super, je vais devoir l'enjamber. C'est parti. Ah! Eh ben alors? Il m'a dit qu'il arrivait, ça fait déjà 10 minutes qu'il m'a envoyé ce message. Il habite pourtant pas loin. Oh, il fait chier. Il sait que je déteste ça en plus. Mais c'est bon, t'habites à côté là, tu fous quoi? Je vais lui renvoyer un message. Aïe! Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis où? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, les néons font mal aux yeux déjà. Ils bourdonnent en plus, c'est horrible. C'est pas possible. J'étais dans la rue juste avant et c'est comme si j'avais traversé le sol. Il y avait un trou dans le trottoir ou quoi? Eh oh! Il y a quelqu'un? C'est quoi cette histoire? On dirait un vieux bâtiment abandonné. Eh ben c'est super. Je ne sais pas où je suis, il n'y a personne. Je suis coincé ici tout seul, c'est mal éclairé, la moquette pue, les murs sont jaunes! Et pas de réseau évidemment, la totale! Mais comment je vais faire pour sortir? Non mais ce coup-ci, il se fout du monde. Il se fout du monde. J'arrive dans 5 minutes, mais oui bien sûr, cause toujours. Et... non. Il m'a bloqué. Et... Monsieur? Bonsoir. Excusez-moi, je sais qu'on se connaît pas et que je risque de passer pour une folle, mais une seule coche sur WhatsApp, ça veut dire que le message n'est jamais parvenu à son destinataire, c'est bien ça? Génial. Comment? Non, j'ai pas envie de venir avec vous. Je sais qu'il viendra sûrement plus, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de... Oh là là, mais il y a vraiment des crevards partout, c'est pas possible. Bon, j'attends encore 5 minutes et... Bah je sais pas en fait... J'ai vraiment envie de le voir, ce film. Non, non, n'insistez pas, je n'ai pas envie de le regarder avec vous. Un de ces charreaux. Oh là là, c'est de pire en pire. Tout se ressemble et j'ai même pas pris de point de repère. C'est... ça commence à devenir flippant, là. Je vais avancer tout droit, histoire de ne pas me perdre. Enfin, de ne pas trop me perdre. Et je finirai bien par arriver quelque part. C'est pas engageant, quand même. Il y a des coins sombres en plus. C'est vraiment pas agréable d'évoluer là-dedans. C'est sacrément grand. Trop grand même, c'est pas normal. Il faudrait vraiment que je trouve une sortie parce que ce grésillement constant, ça devient insupportable. Déjà que l'odeur de moquette moisie me donne envie de vomir. Sérieusement, faut que ça s'arrête là. Il y a forcément une sortie. Là, des portes en verre. J'espère vraiment tomber sur un coin civilisé parce que vraiment je crève de soif. Ça commence à devenir difficile. Pourvu qu'il y ait quelque chose d'autre derrière, j'en peux plus, j'en peux vraiment plus, je me sens mal. Ah, ce séducteur à 2 balles m'a tellement saoulé que je suis partie. Vraiment pas envie de me retrouver à côté d'un parfait inconnu qui profite de la situation. Si c'est pas malheureux d'en arriver là... Eh, mais dis donc... Ça a vachement construit dans ce quartier, j'avais jamais remarqué tous ces immeubles. Et tous ces magasins, je savais même pas qu'ils existaient. C'est dingue. Je savais qu'il était question de moderniser cette partie de la ville, mais... Oh la vache, mais c'est immense. C'est carrément des gratte-ciels, comment c'est possible que j'ai loupé ça? Même depuis chez moi, je les aurais forcément vus. C'est quoi ce bazar? On est où là? C'est géant, je reconnais rien, il y a personne dans les rues. Même les magasins ont l'air fermés en pleine journée. Attends. En pleine journée? Mais il faisait pas nuit il y a 5 minutes? Ah, ma tête!
Ça tourne, c'est horrible. Non, pas encore ce papier peint hideux et cette moquette moche. Dis-moi que je suis toujours au même endroit. Ah bon, eh bien, c'est reparti. Il n'y a plus qu'à recommencer à marcher et... Une minute. Il y a quelqu'un là-bas. Monsieur ! Monsieur, s'il vous plaît ! Bon sang, il me tourne le dos, mais il devrait m'entendre. J'espère qu'il n'est pas sourd. Monsieur, bonjour, je... Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'a pas de visage ! Excusez-moi, je ne voulais pas être désobligeant, mais... Vous allez bien ? Monsieur ? Speak English ? Espagnol ? Dutch ? Apparemment rien du tout, c'est bien ma veine. Je vais être obligé d'explorer un peu par moi-même, mais je vais éviter l'ascenseur. Je n'ai jamais eu confiance en ces trucs, et vu comme ce lieu est bizarre, ça ne serait pas une bonne idée. Bordel, je commence à avoir vraiment soif. Y a vraiment rien d'ouvert dans ce bled ? Ah si, là. Pourtant, y a aucun employé, mais c'est trop bizarre. Enfin, y a des distributeurs, je vais faire le plein, on verra ensuite. Ça fait plusieurs minutes que je suis sortie du magasin et toujours personne nulle part. Pas une voiture, personne, même pas un chat, mais... Mais je suis tombée où, bon sang ? Eh oh ! Y a quelqu'un ? C'est trop, j'en peux plus, ça m'angoisse. Faut que je trouve du monde là, sinon je vais faire une crise de nerfs. Je vais rentrer dans cet immeuble, on va bien voir. Toujours personne ? Ah bah dis donc, c'est moche ici. La moquette, le papier peint, pfff. Very hated indeed. Bon, je vais essayer de monter dans les étages. Je vais bien finir par croiser quelqu'un, quitte à frapper à toutes les portes. Désolée, je sais que ça se fait pas ce que je fais, mais j'ai pas le choix. Je suis perdue. Oh, quelqu'un pour m'aider ? Je précise que je ne suis pas une psychopathe. Bon, proposé si gentiment. Y a quelqu'un ? Bon, ça m'a tout l'air d'être un immeuble abritant des logements ou quelque chose comme ça. Reste à voir s'il y a du monde. Quoique, je ne peux pas entrer ni frapper chez les gens comme ça. Je vais retourner voir le mec de l'accueil. Il est effrayant, mais n'était pas hostile après tout. Allez, courage. Même les gens moches ont le droit à ce qu'on leur donne une chance. Monsieur, vous êtes toujours là ? Ah, c'est bon, il est toujours là. Monsieur, savez-vous si ces appartements sont occupés ? Peut-on y entrer ? Bonjour, monsieur. Vous souhaitez acquérir un logement, si je comprends bien ? Oui. Ça me permettra de me reposer quelque temps au moins. Très bien. Voici la clé. Appartement 3606. C'est au 36e étage, section 6, appartement 6. Oula ! Ben, je vais quand même prendre l'ascenseur, là, hein ? Je vous le déconseille, monsieur. Nos ascenseurs sont un peu... capricieux. Ils ne vous amèneront pas à destination. 36 étages à pied ? Mais vous voulez ma mort ou quoi ? Il n'y a pas de service de maintenance chez vous ? Monsieur ! Ah, ça y est, il s'est retourné. Il ne m'écoute plus. Pas poli, va. Bon, ben, allons-y gaiement. De toute façon, je n'ai pas le choix. Dis donc, c'est plutôt cosy ici. Mais on dirait bien qu'il n'y a personne. Ça m'arrange. Enfin, pour le moment. Eh, mais... Oui, je rêve pas, c'est bien un code Wi-Fi que je vois là. Oh purée, c'est trop beau. Super. Je vais pouvoir me poser un peu, boire un coup, et enfin chercher de l'aide. Et après, j'incendierai l'autre con. Ah non, mais le coup du blocage sans explication, c'était vraiment nul. Ah, ça fait du bien de se poser. Elle a un drôle de goût, l'eau. Comme s'ils y avaient mis de l'amande. C'est pas ce que je préfère, mais c'est pas mauvais. J'espère juste que c'est normal, que je vais pas tomber malade. Voyons voir. Eau d'amande, ah oui, c'est normal. C'est marrant, j'avais jamais vu ça nulle part. Sans doute que c'est nouveau, ça vient de sortir. Ou alors c'est allemand, je sais pas. Bon, alors, qui est-ce que je vais appeler ? Les flics ? Ça servira à rien. Y a pas âme qui vive dans cette foutue ville. Ma mère, on n'y pense même pas. Elle vit pour un rien, et moi-même, je suis incapable de lui expliquer ce qui se passe. Bon, bah, je vais déjà pourrir l'autre guignol, et on verra après. Hé, mais... Il m'a débloqué ? Ah, parfait. On va pouvoir s'expliquer.
Allez, encore un étage, j'en aurais fait la moitié. J'en peux plus, faut que je fasse une pause, là. Quelle histoire de fou! Minute. Quoi? Mon téléphone sonne? Mon téléphone sonne! C'est une chance inespérée! Allô? Oui, bonjour. Je cherche à joindre une espèce de faucheton doublé d'un lâche. Ah, c'est toi! Bon, écoute, je sais que tu dois être furieuse, mais je n'ai pas le temps de tout expliquer en détail. Il m'arrive un truc pas possible et... Bah voyons, comme par hasard. Moi aussi, figure-toi, et j'ai vraiment les boules, alors tu vas m'écouter. Après que tu m'as honteusement laissé tomber en bloquant ta messagerie, je suis partie du ciné. Je me suis retrouvée dans une ville déserte. Je sais pas comment je suis arrivée là, mais c'est ultra flippant. Là, je suis dans un immeuble et... Désolée de t'interrompre, mais moi aussi je suis dans un drôle d'endroit. Et j'entends des bruits bizarres. Attends deux secondes, je m'éloigne. C'est que je suis dans une cage d'escalier, ça résonne quand je parle et... Je m'en fous de ta cage d'escalier, on parle de moi là. Après m'avoir fait faux bond, tu pourrais t'en soucier un peu plus, c'est quand même la moindre des choses. Bref, j'ai échoué dans un immeuble bizarre. Les couleurs sont moches, papier peint jaunâtre, moquette, bref, tu vois le style. Années 80, à fond les ballons. Enfin, si c'était que ça. Et maintenant... Attends. Pardon de te couper encore, mais tu dis que tu es dans un immeuble au style années 80 ? Parce que... Mais c'est quoi ça ? Allô ? Allô ? Hé, j'avais pas fini, tu vas m'écouter, oui ou quoi ? C'est incroyable ce que tu peux être égocentrique. Tout ça pour pas avoir à rendre de compte. Allô ? Pardonne-moi, mais là, ça dépasse l'entendement. Je viens de me faire courser par une espèce de truc avec plein de bras, de jambes, mais pas de tête. Ça roulait et... Il m'a poursuivi, il voulait manger, je crois. Voilà, c'est ça. Et puis tu comptes te foutre de ma gueule encore longtemps. D'abord le blocage et maintenant ça. Je t'ai pas bloqué, je t'assure. Je me suis subitement retrouvé dans un lieu sans réseau. Et c'est d'ailleurs très étonnant parce que je ne pense pas avoir quitté la ville. Tu peux prendre une photo du lieu en question ? Il y a bien des fenêtres, mais j'ai un peu peur de m'approcher. J'ai le vertige, tu sais bien. Oh non, mais ce coup-ci, c'est sûr, tu te fous de moi. Tu me plantes alors qu'on avait prévu de se faire un ciné, t'essayes de m'embrouiller avec des histoires abracadabrantes et maintenant t'es soi-disant pas foutu de m'envoyer une photo de toi là où t'es. C'est bon. T'es avec qui ? Elle s'appelle comment ? Alors on va se calmer. C'est vrai que j'aurais bien voulu une histoire avec toi il y a quelque temps, mais... Tu m'as clairement fait comprendre qu'il n'y aurait jamais rien. Alors pourquoi tu me fais une crise de jalousie comme ça ? T'es gonflé ! Je ne suis avec personne. Je suis perdu, moi aussi. Et encore une fois, tu passes ton temps à tout ramener à toi sans répondre à ma question de base. Je réitère. Tu es où ? Mais je sais pas. Dans un genre d'hôtel tout moche avec une déco démodée. Et toi ? Bah j'en sais rien. Enfin, dans un appartement, mais j'en sais rien. Dans un appartement ou t'en sais rien ? Je suis plus dans notre ville, déjà. Dehors, il y a que des gratte-ciel et des magasins inconnus. Il fait jour, en plus. Jour ? Tu peux prendre une photo du dehors ? Deux secondes, je m'approche de l'... Eh, mais... Il y a quelqu'un ? De l'autre côté de la fenêtre ? Et c'est toi ? Bah non, puisque je suis au téléphone avec toi. Si, c'est toi. C'est la même carrure, en tout cas. Exactement la même silhouette. Même si je vois pas bien, je suis sûre que c'est toi. Attends. Il chuchote des trucs, je comprends pas. Je m'approche, hein. Ah ! Allô ? Allô ? Il se passe de plus en plus de choses bizarres. Je ferais mieux de chercher une arme. Peut-être dans ce placard ? Ah mais, encore cette horreur ! Oh, c'est pas vrai. Cet amas de bras, de jambes, c'est juste là. Quoi ? Mais ce grand bras, là, c'est celui de Caroline ? C'est toi ? Oh mon Dieu, ce corridor est sans issue ! Non, Caroline, attends, je... Ils ont pris mes yeux. Le mois dernier, alors que je traversais la Virginie en voiture, je me suis arrêté dans une ville appelée Sutter's Mill. La raison de mes déplacements n'a guère d'importance.
je travaille pour une grande maison d'édition qui planifie et prépare les sites pour les séances de dédicaces et les lectures de plusieurs de ses grands auteurs lorsqu'ils effectuent des tournées de livres dans la moitié est des États-Unis. Je fais ce travail depuis 5 ans maintenant, ce qui signifie que j'ai passé beaucoup d'heures sur la route. Je pensais avoir vu à peu près toutes les petites villes entre le Mississippi et l'Atlantique, mais je me trompais. La seule raison pour laquelle j'ai pris la route qui m'a conduit à Sutter's Mill est un mauvais détour par l'autoroute, combiné à la panne de mon GPS sur une bonne 50aine de kilomètres. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, je me suis retrouvé désespérément à la recherche d'un endroit où passer la nuit, ou au moins trouver de l'essence et de la nourriture. J'ai donc été soulagé lorsque j'ai vu le panneau, usé par les intempéries, annonçant que j'entrais dans la ville de Sutter's Mill. Ce n'était pas une mauvaise ville, si l'on s'en tient aux petites villes. Comme beaucoup de petites villes du sud que j'avais visitées, elle s'appuyait fortement sur de vieilles demeures antébellum et sur une place publique qui semblait avoir reçu 10 fois plus de soins et d'attention que les rues et les bâtiments situés à 2 pâtés de maisons plus loin. Pourtant, quelles que soient les aspirations des habitants de Sutter's Mill en matière de tourisme, ma première impression a été qu'ils n'avaient vraiment pas de chance. Je n'ai pas vu beaucoup de monde, et ce que j'ai vu était soit des vieillards, un couple jouant aux dames à l'extérieur d'un salon de coiffure, soit des enfants, un trio de garçons et une fille jouant avec un frisbee dans le petit parc au centre de la place de la ville. En soi, ce n'est pas si étrange. Les petites villes vraiment isolées comme celle-ci sont souvent mortes pendant une partie de la journée, et par ici, les gens étaient probablement à la maison en train de se préparer pour le dîner. Ce qui est étrange, c'était les lunettes de soleil. J'avais vu la paire de vieillards en premier, et leurs grandes lunettes de soleil enveloppantes étaient comiquement grandes, mais ne sortaient pas du domaine des crimes de mode que j'avais vus commis par des personnes âgées dans le passé. D'ailleurs, ma théorie de travail était qu'une fois passé un certain âge, on gagnait le droit de ne plus en avoir rien à faire. Les hommes m'avaient simplement regardé en passant, et bien qu'ils n'aient pas retourné mon signe de la main, j'avais juste réprimé un petit rire et j'avais continué. J'étais toujours à la recherche d'un restaurant ouvert ou d'un hôtel décent lorsque je me suis retrouvé à voyager autour de la place de la ville. Les enfants jouaient normalement, mais ils portaient tous les mêmes lunettes de soleil. Ma première réaction a été de regarder le ciel. Y avait-il une éclipse ou quelque chose que je ne connaissais pas? Mais non, le ciel avait l'air normal, et même s'il s'assombrissait, c'était dû à l'heure tardive et pas à un événement astronomique. J'ai ressenti un pincement au ventre devant l'étrangeté de la situation, mais j'ai essayé de l'ignorer. J'étais fatigué et affamé, et je ne pouvais pas me permettre d'être trop facilement perturbé par la situation alors que, d'après mes estimations, la ville la plus proche se trouvait à près de 2 heures de route. J'avais encore beaucoup de route à faire. Laissant la place de la ville derrière moi, je soupirais de soulagement lorsque je trouvais une chambre d'hôte modérément mignonne dans la rue suivante. La pancarte devant l'établissement indiquait qu'il y avait une chambre libre, et même si je doutais qu'il puisse m'offrir quelque chose pour le dîner, je me disais que je pourrais avoir un lit douillet, de bonnes indications pour un restaurant local ou quelque chose comme ça. En garant ma voiture sur le petit terrain en gravier derrière la maison, je me suis dirigé vers la porte arrière grillagée sur laquelle un panneau indiquait « Entrée pour les invités ». Je me sentais un peu mal à l'aise de sonner à la porte d'un inconnu, que ce soit pour affaire ou non, et j'ai dû me forcer à attendre qu'une femme d'un certain âge s'avance sur le porche et ouvre la porte. « Salut mon beau, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Je sentais les mots coincés dans ma gorge. La dame semblait assez agréable, mais elle portait les mêmes putains de lunettes de soleil que les autres. Mais qu'est-ce qui se passe ici ?« Je venais voir pour obtenir une chambre, mais je pense que je vais continuer à rouler. J'ai oublié que j'avais un rendez-vous ce soir. » C'était un mensonge, bien sûr, mais j'étais prêt à monter dans ma voiture et à trouver un autre endroit qui ne me donnerait pas la chair de poule. Le visage de la femme s'est illuminé d'un sourire. « Oh mais oui, j'ai une chambre qui te conviendra parfaitement. Entre. » J'ai commencé à descendre les marches. « Non, vraiment, ça va, je dois y aller. » « C'est absurde. Tu as l'air crevé. Ça ne serait pas prudent de conduire tard le soir. Entre et jette un œil à la chambre. Et si tu décides que ce n'est pas terrible,
Je t'indiquerai le chemin à prendre moi-même. » J'ai failli résister davantage, mais je ne voyais pas où était le mal à visiter la chambre. J'étais fatigué. L'endroit avait l'air bien de l'extérieur. Et si la femme essayait de faire des trucs bizarres, je me sentais sûr de pouvoir la maîtriser physiquement. J'ai donc essayé de sourire, j'ai hoché la tête et je l'ai suivie à l'intérieur. L'intérieur de la maison était magnifique, bien décoré et propre, sans pour autant donner l'impression d'être trop mise en scène ou stérile. La femme me conduisit à un rythme lent dans un escalier grinçant jusqu'au deuxième étage, et lorsqu'elle ouvrit la porte de la chambre, je me sentis un peu détendu. La pièce avait l'air normale. Il y avait un téléphone, une télévision LCD petite mais relativement récente, et un grand lit qui avait l'air merveilleux après des heures passées sur la route. Il y avait même une petite carte plastifiée sur la table avec le mot de passe du Wi-Fi. En voyant tous les accessoires et toutes les connexions possibles avec le monde extérieur, j'ai eu au moins l'impression d'être dans un premier acte d'une histoire d'horreur. Et quand elle m'a dit que c'était seulement $75 pour la nuit et le petit déjeuner inclus, j'ai décidé de rester. La propriétaire du motel m'a dit qu'elle s'appelait Valérie lorsque nous sommes redescendus, et elle n'avait pas grand-chose à me proposer pour le dîner. Mais elle pouvait m'indiquer un bon steakhouse de l'autre côté de la place de la ville. Lorsque j'ai mentionné que j'étais végétarien, elle a froncé un sourcil derrière ses lunettes noires et a émis un petit rire. « Je suis sûre qu'ils te trouveront aussi quelque chose à manger. » Je suis retourné à la voiture et j'ai erré pendant 20 minutes à la recherche d'autres options que le steakhouse. Les enfants étaient heureusement partis de la place, mais je n'ai pas réussi à trouver d'autres restaurants qui semblaient ouverts. Résigné à manger une salade médiocre, je me suis garé sur le parking du steakhouse. Il était bondé de voitures, et vu le manque d'options en ville, il était facile de comprendre pourquoi. Pourtant, j'ai trouvé étrange de n'avoir vu personne circuler en voiture, ni même d'autres personnes autour de moi. Et lorsque je suis entré dans le restaurant, j'ai constaté qu'il n'y avait que quelques poignées de personnes assises aux différentes tables et cabines à l'intérieur. Moins de la moitié de ce à quoi je me serais attendu en me basant sur les voitures à l'extérieur. Mais cette idée s'est envolée dès que j'ai réalisé que tout le monde portait les mêmes lunettes de soleil. J'ai failli partir tout de suite, mais quelque chose m'a poussé à rester. Je pense que c'était en partie à cause d'une colère maussade qui montait lentement. J'avais l'impression d'être la cible d'une farce bizarre et élaborée, et je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas réagir. Je me suis donc forcé à aborder la serveuse et à demander une table pour une personne. Lorsque la serveuse est arrivée, elle m'a dit qu'elle s'appelait Holly et qu'elle s'occuperait de moi ce soir. Par quoi pouvait-elle commencer ? Je me suis surpris à pointer du doigt ses lunettes de soleil. « Holly, je veux pas passer pour quelqu'un de rude, mais pouvez-vous me dire ce qui se passe avec toutes ces lunettes de soleil ? Il fait nuit dehors et toutes les personnes que j'ai vues dans cette ville en portent. C'est la mode dans la ville ou on me fait une farce ?» La jeune fille a visiblement pâli à mes questions, s'agrippant fermement à son bloc-notes. « Eh bien, je suppose que ça a l'air drôle pour quelqu'un qui n'est pas d'ici. » Mais ça fait partie d'un traitement spécial que nous avons ici. Ça aide beaucoup, mais ça rend les yeux très sensibles. J'ai froncé les sourcils, ma curiosité supplantant pour l'instant mon irritation et mon anxiété. Un traitement ? Quel genre de traitement ? Et qu'est-ce que ça aide ? Un homme qui avait l'air d'avoir une trentaine d'années, du moins d'après ce que je pouvais voir autour de ses putains de lunettes stupides, s'est approché et a tapoté Holly sur le bras. « Allons, Holly, ne fais pas attendre ce gentil monsieur avec tes bavardages. Va lui chercher de l'eau et laisse-le réfléchir au menu. » Holly a regardé entre l'homme et moi, avant de hocher la tête et de se dépêcher de disparaître. L'homme m'a regardé avec un sourire aux dents jaunes. « Veuillez la pardonner. C'est une bonne fille, mais elle adore parler. » J'ai haussé les sourcils. « En fait, non, c'est moi qui demandais quelque chose. » Je demandais pourquoi tout le monde portait des lunettes de soleil et quel genre de traitement vous receviez. Son sourire s'est légèrement élargi, ou du moins il a montré plus de dents. Oh, c'est une affaire privée, vous comprenez. Nous avons la chance d'avoir une médecin talentueuse ici, et elle nous a tous beaucoup aidés. Mais ce n'est pas à moi de divulguer les affaires des autres. J'avais déjà décidé de quitter le restaurant et la ville sur le champ, mais je voulais d'abord dire adieu à cet enfoiré prétentieux.
En me glissant hors de la cabine, je les regardais fixement. « Alors, qu'est-ce qui vous empêche de me dire ce qu'ils vous ont fait ?»« Rien, bien sûr. » Il a levé la main et a retiré ses lunettes. « Elles m'ont aidé à voir vraiment. » J'ai regardé ses yeux, qui n'étaient plus que des orbites rouges et crues, avec les restes flétris de paupières coupées, recroquevillés sur le bord supérieur comme un store de fenêtre. Il se pencha joyeusement en avant pour mieux me regarder. « Et je vois si bien maintenant. » À l'intérieur des orbites, il y avait une infinité de petits yeux. Ils brillaient sous la faible lumière des rails, une masse fluide et ondulante de blanc et de rouge, comme une mousse de lait sanguinolent, traversée de veines noires qui semblaient liées à un orbe moucheté au suivant. Un fil de tissu gris plus épais traversait l'arête du nez de l'homme et s'y enfonçait avant de couler dans l'autre orbite où se répétait la même horreur mouvante. J'étais déjà en train de crier et de reculer quand j'ai senti des mains rugueuses m'attraper par derrière. Ils m'ont fait passer des portes à double battant qui menaient à une grande cuisine, sauf que la partie arrière était vide de tout équipement. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre que c'était parce que le sol en béton avait été brisé et qu'il descendait dans la terre. J'avais déjà donné des coups de pied et lutté avec acharnement, mais j'ai redoublé d'efforts maintenant. J'ai senti mon épaule droite protester, puis j'ai ressenti une vive douleur lorsque mon épaule est sortie de sa cavité. J'ai cru un moment que j'étais presque libre, mais les mains se sont resserrées sur moi et elles m'ont traîné dans le tunnel en contrebas. Nous avons emprunté un chemin faiblement éclairé par des lampes de travail, et plus d'une fois nous avons croisé d'autres chemins qui partaient dans d'autres directions. Plus nous avancions, plus j'avais l'impression que ces fous monstrueux étaient des fourmis qui me transportaient vers le centre de la fourmilière. Mais je me suis vite rendu compte que nous remontions, et je me suis retrouvé à grimacer, alors qu'on me tirait vers les lumières vives, de ce qui semblait être le gymnase d'un lycée local. Il y avait quelques personnes dans les gradins, mais beaucoup d'autres s'agitaient sur le sol du vieux terrain de basket délabré. Au centre du terrain se trouvait une grande femme vêtue d'une jupe à fleurs et d'un long manteau blanc. Comme je m'approchais, elle s'est présentée comme étant le docteur Thurber. Je suis ravie que vous ayez pu vous joindre à nous ce soir. Nous n'avons pas beaucoup de visiteurs dans notre petite ville, et pour être honnête, c'était une bonne chose jusqu'à présent. Son rouge à lèvres était d'un rouge trop vif et légèrement étalé, alors qu'elle se penchait plus près de moi, ce qui ne faisait qu'accentuer le regard de folie que je lisais dans ses yeux. Mais je pense que nous sommes enfin prêts à partager notre don avec le monde extérieur. Il y a eu quelques faux pas, c'est certain, mais je pense que vous trouverez le traitement beaucoup moins douloureux et plus agréable qu'il ne l'était auparavant. Je me suis rendu compte qu'elle me parlait avec le même ton monocorde que certains médecins utilisent lorsqu'ils s'apprêtent à vous faire une piqûre ou autre chose désagréable, et j'ai alors aperçu le morceau de métal qu'elle sortait d'un plateau voisin. On aurait dit une cuillère à glace aux arêtes vives. Les mains étaient maintenant pressées contre mon visage, maintenant ma tête immobile malgré ma lutte. « Non, mon Dieu, arrêtez, s'il vous plaît! Je ne dirai rien! Je ne dirai rien, mais arrêtez! La douleur m'a fait perdre connaissance pendant un moment. Par instinct, j'avais fermé les yeux. Mais cela n'avait pas d'importance. Le bord mordant de son instrument a tranché la paupière et m'a arraché l'œil droit d'un seul coup. Elle terminait le deuxième lorsque je me suis réveillé suffisamment longtemps pour pousser un autre cri de douleur. Chut, je comprends. C'est le pire. Ne vous inquiétez pas. La douleur disparaîtra dans un moment ou deux. Je ne voyais plus rien. Je pouvais à peine raisonner à cause de la douleur et de la folie. Mais au bout d'un moment, j'ai senti une chaleur intense. Comme si quelqu'un versait du plomb fondu dans les trous fraîchement creusés dans mon crâne. J'ai essayé de me débattre, mais ma tête était toujours maintenue. Et après quelques secondes, la sensation a commencé à s'estomper pour laisser place à des picotements, puis à rien. Je me suis dit que j'aurais mieux aimé m'évanouir, à nouveau, ou, à défaut, mourir. Cela devait être mieux que ce qu'il me réservait. J'ai tressailli lorsque j'ai senti une main douce et fraîche sur mon front, puis la voix du médecin a murmuré doucement à mon oreille. Voilà, voilà. Ça y est, c'est fait. La couvée est prête maintenant. Et ne t'inquiète pas. Tu te réveilleras avec tes beaux yeux comme avant. Tu peux te dire que ce n'était qu'un mauvais rêve, si tu veux, tant que tu ne regardes pas de trop près ou trop profondément, c'est-à-dire. La chose suivante dont je me souviens,
c'est de m'être réveillé dans mon lit à la maison. J'ai eu un moment de calme avant de me souvenir. En avalant des bouffées d'air paniqué, j'ai tâté mon visage. Tout me semblait normal. Je me suis précipité dans la salle de bain et au premier coup d'œil, mon visage, mes yeux, étaient les mêmes. Ou presque. Parce que dans la profondeur du noir, quand je regardais attentivement mes yeux, je pouvais voir quelque chose derrière qui n'était pas là avant. Je le sentais légèrement bouger et se déplacer dans ma tête tandis qu'il assimilait le monde que je lui montrais. En me frottant l'épaule, je suis retourné dans la chambre et j'ai trouvé mon téléphone. C'était le lendemain matin et je ne savais pas quoi faire ni qui appeler. Au cours des jours et des semaines qui ont suivi, je me suis quelque peu habitué à tout ce qu'ils ont mis en moi. J'ai commencé à m'éloigner de l'idée de me suicider ou de me crever les yeux à nouveau. Je ne sais pas si cela signifie que je deviens de plus en plus fou ou qu'ils me contrôlent davantage. Mon plus gros problème à l'heure actuelle, c'est que je ne sais pas non plus de quoi je dois avoir le plus peur. Le seul autre astronaute est mort il y a 6 semaines, mais l'ordinateur montre le contraire. Quand Ben est mort, il a fait très peu de bruit. Ce sont les ordinateurs qui m'ont alerté. Des alarmes stridentes et des lumières clignotantes. Je n'étais même pas sorti de mon sac de mon couchage que ma montre intelligente s'est illuminée d'une demi-douzaine de messages concernant des défaillances du système. Astronaute 1, défaillance du moniteur de fréquence cardiaque. Astronaute 1, défaillance du moniteur de conductance cutanée. Astronaute 1, défaillance du système immunitaire. Je n'ai pris conscience de la situation que lorsque j'ai secoué Ben qui ne réagissait pas. Ses yeux blancs sont rentrés dans son crâne. Le sang s'accumule dans ses oreilles comme de la gelée rouge. Viscosité, masse, pas de gravité. J'avais la nausée en le regardant. Le QG dira plus tard que Ben est mort d'un anévrisme. 1 sur 1 million. Une putain de chance sur 1 million. Une mort bizarre qui s'est produite en orbite terrestre basse. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé au QG une fois que la panique était retombée et que la réalité de ma situation s'était enfin imposée? Le QG m'a envoyé un document rarement utilisé ou discuté qui décrivait ce que je devais faire. Les corps constituent une menace unique en microgravité, expliquait le document. Tout ce qui est ordonné devient désordonné. Ce qui est solide devient liquide. Ce qui est liquide se transforme en gaz. La première chose à faire était de placer le corps de Ben dans un endroit dépourvu d'oxygène et glacial. Un endroit où il ne représenterait aucun danger, ni pour lui, ni pour moi. Isolé, mais facilement récupérable. La conclusion était évidente. Je savais ce qu'ils allaient suggérer avant même d'avoir atteint cette partie du livret. Tout s'est passé si vite que Ben était encore chaud lorsque je l'ai mis dans le sac spécial conçu pour résister au vide de l'espace. Je m'attendais à ce qu'il proteste pendant que je tirais sur les membres raides et que je manipulais les articulations gonflées. Chaque étape du processus, chaque fermeture éclair, chaque bout de velcro, je devais me rappeler qu'il n'allait pas se plaindre. J'avais l'impression que c'était intime, mais ça ne l'était pas. Pour être intime, il faut être deux. À ce stade, Ben n'était que de la viande. La sortie dans l'espace elle-même était autre chose. Le sac qui entourait le corps de Ben s'est gonflé dans le vide, et j'ai instinctivement ressenti le besoin de défaire ce que j'avais fait. Il y avait un corps là-dedans, et les corps ne sont pas censés avoir si peu d'espace entre eux et l'espace. Lorsque j'ai touché le sac, je pouvais encore le sentir sous le matériau fin comme du papier, le pli d'un coude, la bosse de son nez. Lorsque j'ai atteint ma destination, son corps semblait déjà fragile. L'attacher à la station était assez facile d'un point de vue technique. Le laisser là allait à l'encontre de tous mes instincts. Après cela, il n'était plus question de faire semblant qu'il reviendrait.
Un jour plus tard, j'ai commencé à ranger ses affaires. Il y avait là une catharsis que je trouvais apaisante. J'ai catalogué ses affaires avec un détachement très fin. La plupart de ses affaires étaient sèches et inintéressantes. Des photos de lui avec un chien, un exemplaire d'un livre de Michael Shee, un certificat d'excellence de la NASA qu'il avait reçu à l'âge de 10 ans. Il avait découvert une comète, m'avait-il dit lors de notre première rencontre. C'était dans son jardin, avec un télescope. La NASA l'avait laissé la nommer et tout le reste. C'est ainsi qu'il a su qu'il voulait devenir astronaute. Il l'a décrit comme une vocation. Ben était comme ça, un vrai boy scout. Dans la vie, il n'a pas eu de limites. On pourrait penser qu'au vu de notre histoire, nous serions proches. Deux hommes sélectionnés sur la base d'un profil psychologique approfondi. Ensemble, nous avons simulé plusieurs missions sur Mars, deux au sol, une dans l'espace. Toutes très secrètes. Une mission officielle vers Mars était prévue, à l'issue de laquelle l'ensemble du projet serait rendu public. Mais la clé pour que deux personnes travaillent ensemble, seules pendant presque une année entière, n'est pas de trouver deux gars qui deviennent les meilleurs amis pour toujours. Il s'agit de trouver des personnes qui ne se gêneront pas l'une l'autre, ni haine, ni amour. Deux hommes qui apprécient leur propre compagnie, mais qui ne se gênent pas. Ben et moi avions fait connaissance pendant tout ce temps passé ensemble, mais ce n'était pas comme si nous étions des frères d'armes. Si nous fonctionnions bien, c'est précisément parce que notre amitié n'avait rien de concret. Pas d'enjeu, pas de quoi se disputer. Pour moi, Ben était un gentil garçon, mais c'était tout. Je me suis dit qu'il était simple et direct jusqu'au bout. Pas de sombres secrets, pas de vrais problèmes à proprement parler. Le journal a changé cela. Il était collé à l'intérieur du panneau d'un ordinateur à son poste de travail. Il avait dû le cacher près de ses affaires, quelque part à l'abri des regards, mais facilement accessible. Des feuilles effilochées et des pages jaunies comme un objet ancien. La dernière chose que je m'attendais à trouver dans une station spatiale. J'ai failli prendre sa couverture en cuir pour une sorte de bible personnelle. Le genre de tome bien usé brandi par un prédicateur poussant des exclamations sur le diable. Mais ses pages intérieures étaient écrites à la main, ce qui ne correspondait pas vraiment à une bible. Gribouillis, des formes, des phrases répétées, disséquées. Certaines étaient même en binaire. On aurait dit les divagations d'un enfant ou d'un fou. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un exercice de pleine conscience, un gribouillage dans le vide pour l'aider à se remettre les idées en place dans les moments de stress. Mais cela n'expliquait pas pourquoi il l'avait caché, ni pourquoi les chiffres et les pages semblaient étrangement organisés. Je ne sais pas comment le décrire exactement. Si ce n'est qu'il y avait la vague impression qu'il signifiait quelque chose pour la personne qui l'avait fabriqué. Chaque gramme d'une navette est pris en compte. Ce que vous emportez avec vous, ça ne peut pas être des trucs au hasard que vous voulez à la dernière minute. Ben aurait dû effacer le journal. Je suppose qu'il a gardé son contenu secret. Si la NASA avait jeté un coup d'œil sur ce qu'il a écrit, elle l'aurait envoyé en évaluation psychologique avant la fin de la journée. Mais la taille et le poids du livre auraient dû être consignés, justifiés. Il ne pouvait pas être arrivé sur la station par accident, et j'ai donc immédiatement su que Ben l'avait voulu pour quelque chose. Je l'ai étudié pendant plus d'une heure, en essayant de comprendre ce que c'était. Je passais d'une page à l'autre, regardant des rangées de chiffres, des fractales étranges, quelque chose qui ressemblait à un croisement entre un œil et le dessin d'un atome dans un manuel. Compte tenu de l'évolution de ses talents d'écrivain et de dessinateur tout au long du livre, j'ai commencé à soupçonner qu'il avait ajouté des éléments depuis son enfance, ce qui ne faisait qu'ajouter une couche supplémentaire au mystère qui s'épaississait. Je pensais que je ne parviendrais jamais à comprendre le livre, jusqu'à ce que, aux trois quarts environ, je tombe sur une nouvelle page remplie de rangées et de rangées de chiffres. Mais cette fois-ci, l'une des chaînes était soulignée. Et un seul mot avait été griffonné de manière irrégulière et rageuse à côté. Le seul morceau de français ou de toute autre langue humaine dans toutes ces pages. C'était la seule chose écrite d'une manière qui puisse avoir un sens pour un être humain vivant. Le mot lui-même m'a arrêté net. Il m'a glacé le sang.
17031804263. Anévrisme. La suspicion qui s'est emparée de moi ressemblait à une sorte de folie. Je me suis dit que je devais être fou lorsque j'ai vérifié les données du biomoniteur de Ben. Que je devais être fou pour ne serait-ce qu'envisager cette idée. Mais les informations enregistrées par plusieurs machines différentes l'ont confirmé. L'heure exacte de la mort de Ben était le 17 mars 2018 à 4h26 et 36 secondes. 1, 7, 0, 3, 1, 8. 17 mars 2018. 0, 4, 2, 6, 3, 6. 4h26 et 36 secondes du matin. Je crois que je n'ai pas bougé pendant un bon quart d'heure. Je n'ai fait que fixer les données, tandis que mon esprit se frayait un chemin autour d'une énorme, impossible réalisation. Ben savait qu'il allait mourir. Bien sûr, j'ai arrêté de rationaliser cela, comme tout le monde. J'ai trouvé une demi-douzaine de raisons pour lesquelles il avait écrit ce qu'il avait écrit. Mais aucune d'entre elles n'était réconfortante, même si elle correspondait au moins à une vision plus rationnelle du monde. Prenons par exemple l'idée que Ben se soit suicidé à ce moment précis pour accomplir une sorte de prophétie qu'il avait griffonnée quelques jours, ou même quelques heures auparavant. Était-ce une bonne chose? Qu'est-ce que cela signifiait pour moi? Ignorons les questions logistiques. Ce n'est pas comme si on pouvait chronométrer à la seconde près l'action d'un poison sur le corps. Disons simplement que c'est ce qu'il a fait. Il restait alors la question décoiffante de savoir pourquoi, et je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Bien sûr, j'ai passé ce livre au peigne fin à la recherche d'autres indices. Je regrette de ne pas l'avoir fait. J'ai fini par avoir trouvé un autre mot. Celui-ci, plus près de la fin du journal. Une autre date et un autre rodage, 6 semaines dans le futur, et un autre mot griffé douloureusement sur le papier par un point maladroit. Le mot était « immolation ». Permission refusée. Je me suis mordu la lèvre et j'ai pris une grande inspiration. Ordinateur, qu'en est-il de l'intégrité de la station? Aucun signe de problème sur les caméras externes. Ordinateur, j'entends quelque chose frapper sur la coque. Rien n'est visible sur les caméras. C'est pourquoi je dois aller jeter un coup d'œil, ai-je écrit. Il est difficile de discuter avec un ordinateur. Vous ne pouvez pas lui envoyer une lumière de mort. Le QG aurait pu facilement organiser des appels vidéo, mais en réalité, il voulait la distance. C'est plus facile de dire non. La marche solitaire dans l'espace est incroyablement dangereuse, ont-ils rapidement répondu. Les microphones installés dans la coque de la station ne signalaient rien d'inquiétant. Impact habituel de débris. Rien qui ne corrobore les rapports d'écoute externe. L'autorisation de sortie dans l'espace m'a été refusée. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé l'écran et je me suis demandé s'ils étaient tout à fait sincères. Le bruit des écoutes, qui allait et venait depuis quelques jours, était indéniable, même par-dessus le ronronnement des machines et des moteurs. Les stations spatiales sont bruyantes. On nous donne même des bouchons pour les oreilles pour y faire face. Mais ce qui se passait à l'extérieur était d'une certaine manière plus bruyant. Ou peut-être, compte tenu des circonstances, étais-je simplement sensible à l'idée qu'il y ait quelque chose, n'importe quoi, à l'extérieur? Je ne pouvais pas nier que cela m'agaçait. C'était l'un de ces bruits que je ne pouvais pas bloquer, comme l'eau qui goutte dans une baignoire à 3h du matin. Tap, 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 tap. Aucune régularité, pas de sens de l'ordre. Du moins pas en surface, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Peut-être en dessous. Il doit bien y avoir un sens ou une raison, une sorte de régularité que le cerveau détecte et ne peut pas lâcher. Comment est-ce que les microphones ont-ils pu le manquer? Le sommeil devenait de plus en plus difficile. Par moments, je pensais que la station était soumise à une sorte de stress caché. Les matériaux gelaient et se réchauffaient de manière irrégulière. Et puis, il n'y a pas d'atmosphère, pas de conduction de la chaleur.
Les objets s'échauffent sous les rayons du soleil. Les objets se réchauffent et se refroidissent aux deux extrêmes. Il s'agit là d'un phénomène courant pour tout ce qui se trouve dans l'espace, bien entendu. Mais cela ne m'a pas empêché de penser à toutes les façons dont la station n'était qu'un amas de métal qui pouvait se défaire, se briser et se déchirer, se plier et s'étirer. C'est comme regarder l'aile de son avion vaciller pendant les turbulences. C'est un rappel inconfortable que l'on n'est qu'un singe dans un jouet sophistiqué. Et si quelque chose s'était détaché ? Quelque chose. Au début, je m'en tenais strictement à cette notion, me demandant ce qui se passerait si une antenne, une sangle ou un morceau de métal s'était détaché et se cognait contre la coque. Ce serait grave. Mais bien sûr, ce n'était pas vraiment ce à quoi je pensais. C'est ce que j'ai écrit au QG, encore et encore. Mais ce qui me préoccupait vraiment, c'était l'idée que peut-être d'une manière ou d'une autre, il s'était échappé. Et bien sûr, ce n'est pas si bête, n'est-ce pas ? Le sac spécialement conçu pour lui, celui qui évacue les gaz produits par la décomposition tout en préservant l'intégrité de son corps, était flambant neuf. Vous savez combien de fois il a été testé ? Jamais. Jamais. Ben était le premier. Alors, bien sûr, il pourrait se détacher. Ce n'est pas parce que c'est une technologie de l'ère spatiale qu'elle est forcément sophistiquée. Il était attaché à l'extérieur comme un arbre de Noël à la berline familiale. J'en suis même venu à me demander si l'une des sangles ne s'était pas rompue et s'il n'était pas en train de se cogner contre la paroi de temps en temps. Peu importe qu'il n'y ait rien à l'extérieur pour provoquer ce genre de choc. Pas d'air, pas de vent. S'il s'était détaché, il aurait simplement flotté un peu plus loin. Mais quelque chose faisait ce bruit, et je craignais presque constamment que ce soit lui. Le seul problème, c'est que j'avais des caméras, et beaucoup d'appareils photo, et toutes, à chaque fois, montraient la même chose. Le sac, à peine modifié par rapport à la dernière fois que je l'ai vu en personne, attaché fermement et solidement à la coque de la station. Cela aurait dû me rassurer. Cela aurait dû, mais ce n'était pas le cas. Il y avait quelque chose qui tapait sur la coque, par intermittence, sans motif, aucune raison, aucune corrélation. Cela allait et venait, semblant choisir les moments où cela me dérangerait le plus. Le sommeil était difficile pour de multiples raisons. Les tapotements étaient déjà assez pénibles, mais ces derniers temps, mes cauchemars avaient pris une tournure étrange. Ils étaient noirs, froids. Dans ces cauchemars, j'étais prisonnier d'un film étouffant. Un froid glacial, j'agonisais sans cesse, luttant furieusement pour me libérer de ce vide noir qu'est le cauchemar. Comme tous les rêves profondément terribles, il a coloré mes pensées pour le reste de la journée. Et chaque fois que je l'ai eu, il est devenu plus difficile de s'en débarrasser. J'ai essayé d'endurer, de compartimenter. J'ai mis mon désarroi mental dans une boîte, j'ai écrit « déséquilibré » sur le couvercle et je me suis balancé d'avant en arrière en attendant qu'on vienne me sauver. Et c'était une option, une bonne option. Mais il y a un petit mot qui m'a empêché de m'enfermer et d'ignorer ma propre folie. Immolation. Lorsque le QG m'a dit que la date de la navette me parviendrait, j'ai passé pas mal de temps à me demander s'il ne s'agissait pas d'une grande expérience. La pure coïncidence de tout cela, l'ampleur de la chose. Il m'avait envoyé le message et l'objet comportait trois points d'exclamation, comme si le responsable des communications de l'autre côté était impatient d'annoncer une bonne nouvelle pour une fois. Ils ont laissé échapper leur professionnalisme. Ils avaient finalement organisé une navette pour me récupérer, après qu'elle ait déposé quelques gars à l'ISS. C'était une chance qu'elle arrive si tôt. Un coup de génie logistique leur a permis de nous ramener en douce, Ben et moi, sans que cela ne se voie trop. Ils m'ont dit que je devais être très reconnaissant. Mais je n'en revenais pas. La date correspondait à celle que Ben avait écrite. En tenant compte du temps de voyage, j'entrerai dans l'atmosphère terrestre à l'heure exacte où le moment prophétisé se produirait. C'était le moment idéal pour une erreur. Un coussin chauffant mal placé, un propulseur mal réglé. Quelque chose, n'importe quoi, pour que je plonge vers la mort dans un tube de métal brûlant. Prêt pour l'immolation. Immolation. Immolation.
Si ce n'était pas Ben qui tapotait, je voulais le savoir. J'avais besoin de savoir. J'étais un homme rationnel, un sceptique. Je ne croyais pas que le monde naturel produirait un homme capable de prédire sa mort à la minute, ou à la seconde près. Je ne croyais pas non plus qu'il pouvait prédire la mienne. Mais je ne suis qu'un animal, je suis fait de viande. Je suis vulnérable, un nerf à vif dans un monde de roches déchiquetées. Et je suis réfractaire au risque. Ce mot, immolation, prêt pour l'immolation, ce n'est pas du hasard. Dans le vide entouré d'oxygène pur, le feu était un risque constant. Les petits chiffres de Ben me revenaient à l'esprit. Je devais m'assurer que tout était en place. Je devais m'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur. S'il s'agissait d'une prédiction que je refusais de prendre pour argent comptant, alors pourrais-je peut-être en tirer une leçon. Que pourrait faire Ben face à un anévrisme? Rien. Mais l'immolation, le feu, un accident, ce genre de choses peut être évité, pourvu que tout fonctionne, pourvu que tout soit à sa place. Que savait le QG? Des caméras et des opérateurs à distance. Ce n'est pas suffisant. Il n'y avait personne d'autre que moi dans cette boîte de conserve. Pourquoi avoir des humains dans l'espace si on ne fait pas confiance à leur instinct et à leur jugement? Je devais savoir ce qui faisait ce bruit. Je devais sortir de là. Le QG s'en est rendu compte trop tard. J'étais à l'intérieur de la combinaison. Le sas était en marche quand ils l'ont compris. J'ai bien choisi mon moment. J'étais à la moitié de mon service de maintenance. Je leur ai dit que je jetais un coup d'œil à la combinaison pour m'assurer que tout était en ordre. Ils ont mis du temps à comprendre ce que je faisais. Techniquement, ils pouvaient arrêter le processus à tout moment. Ils pouvaient faire n'importe quoi de leur côté. Mais j'ai menacé de forcer une annulation manuelle qui les exclurait de cette partie du système. Alors oui, ils m'ont dit qu'ils me passeraient en cour martiale à leur retour. Mais c'était une menace bien faible. Pour moi, les enjeux étaient plus importants qu'une cour martiale. En fin de compte, ils ont fait marche arrière. Vous savez à quel point il est difficile de construire une station spatiale en secret? C'était la première chose à faire. Si la sortie dans l'espace se passait mal et que je mourrais, la station serait toujours là. Un atout $1 milliard attendant la prochaine mission top secrète. C'était ma vie qui était en jeu. Pas la leur. Je l'ai accepté, j'ai accepté mon sort. Sous la pression du temps, le QG l'a également accepté. Lorsque la porte s'est enfin ouverte et que j'ai pu me guider doucement vers l'extérieur et contourner le bord pour m'approcher à l'extérieur de la station, ils avaient déjà capté les caméras et me guider jusqu'à ma destination. Mais pour moi, ce n'était plus qu'un bruit de fond à ce moment-là. Leur voix et les petits bips sur les modules. Des relevés constants de la température des combinaisons et de la distance qui les sépare de la coque de la station. Cela n'avait aucun sens, tout cela. Ce qui comptait, c'était le son. Toc, 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 toc. J'étais anxieux à ce stade, ou peut-être pour être honnête, effrayé. L'espace est fait d'extrêmes, pas seulement la chaleur, mais aussi la lumière. Les ombres projetées sont vastes et étranges. Vous entrez et sortez de l'ombre de la Terre comme s'il s'agissait d'une main devant un projecteur. Et les ombres projetées par vous-même et votre environnement sont d'un noir particulier. La station, avec sa myriade de tuyaux et de câbles, était couverte d'ombres abyssales. De longues choses déformées aux origines ambiguës. Parfois, je regardais l'obscurité et me demandais s'il y avait quelque chose là, ou si la station était simplement coupée en deux par une sorte de force cosmique étrange. Comme si je pouvais y tomber d'une manière ou d'une autre, perdu à jamais. Normalement, j'aurais trouvé cela magnifique. Les sorties dans l'espace ont été pour moi, dans le passé, une expérience presque religieuse. Cette expérience avait le même poids, mais pour des raisons très différentes. Je me suis senti observé. J'ai essayé de l'ignorer, mais c'était de plus en plus difficile. Je n'arrêtais pas de regarder par-dessus mon épaule. J'ai réfléchi à chaque petite bosse et vibration que je ressentais sur la coque de la station. Lorsque j'ai atteint l'endroit où j'avais attaché le corps de Ben, j'étais au bord de la crise de panique. Toute cette partie de la station était plongée dans l'obscurité. Le genre de choses que je ne pouvais pas voir.
seule la voix du QG m'indiquant que j'étais arrivé à destination m'a permis de savoir que Ben gisait à quelques mètres de moi. Sous leur direction, je l'ai trouvé, et lorsque ma lumière est tombée sur le sac lui-même, j'ai vu le tissu métallique scintiller de glace. En le touchant, j'ai senti le corps gelé de Ben à l'intérieur, dur comme de la pierre. Je lui ai donné un petit coup, mais il n'a pas bougé d'un pouce. Les sangles qui le maintenaient en place étaient toujours là, fermes comme jamais. « Qu'est-ce qui pourrait encore causer ce bruit ?» demandai-je via la radio. « Il n'y a qu'une option. » La voix sans nom à l'autre bout du fil semblait réticente, mais c'était le cas par défaut depuis la mort de Ben. Le QG donnait toujours l'impression de cacher quelque chose. « Qu'est-ce que c'est ?» Nous ne sommes pas certains à 100% de la façon dont les cadavres réagiraient au changement de température dans le liquide. Il est évident que certaines parties du corps vont geler et se dilater. Les fluides en particulier. Pour l'instant, le sac a une grande surface de contact avec la coque métallique. Selon une théorie, le sang pourrait geler et se sublimer à mesure que la surface change de température. J'ai regardé le sac et j'ai fait une grimace. Quelle quantité de sang exactement ? Nous ne pouvons pas dire avec certitude quelle quantité aurait quitté le corps. La seule chose que nous savons, c'est que la poche a pour fonction de le contenir jusqu'à son retour. Les instruments de la station nous permettent de confirmer que le panneau sur lequel vous vous trouvez est bien en dessous du point de congélation. Tout devrait être dans un état gérable, pour ainsi dire. Solide. Probablement un gros amas. Il répondit, puis après un moment, il ajouta. C'est ce que vous vouliez. Ce serait un gaspillage de ressources, maintenant que vous êtes ici, que de ne pas enquêter plus avant. Vous devez regarder à l'intérieur. Bien sûr que je l'avais voulu, n'est-ce pas ? Pour satisfaire ma curiosité morbide, pour répondre aux pensées enragées de mon esprit qui m'avaient empêché de dormir, remplissant de cauchemars le peu de sommeil que j'avais. Maintenant que j'étais sur le seuil, j'avais tellement peur que le simple fait de bouger la main me demandait un effort. Et pourtant, je n'avais pas le choix. Je devais aller jusqu'au bout. Le sac s'est ouvert avec une fermeture éclair spécialement conçue à cet effet. Pas de bruit. Mais je sens le clic-clic-clic des dents spécialisées qui s'ouvrent. C'est stupide, mais lorsque j'ai déployé le rabat, j'aurais juré qu'une terrible odeur fétide m'avait envahi. Cela n'a duré que quelques secondes. Mais c'était si fort que je me suis retourné et que j'ai fermé les yeux pour ne pas qu'il pleure. Le pouvoir de la suggestion, me suis-je dit en les rouvrant. C'est tout. Rien d'autre. Pas d'air, pas de son, pas d'odeur. J'ai pris quelques grandes respirations. J'ai essayé de ne pas laisser l'incident me perturber davantage et j'ai regardé à l'intérieur du sac. Plusieurs personnes regardant mon flux vidéo ont sursauté, tandis que j'émettais un bruit peu flatteur, à mi-chemin entre le gémissement et le cri. Je m'attendais franchement à quelque chose de macabre. Une peau bleue, des glaçons s'accumulant autour des cils, comme un corps trouvé dans l'Arctique. Mais Ben s'était transformé. De grands éclats de sang gelé avaient jailli des yeux, des oreilles et de la bouche. Sa mâchoire s'était disloquée, jusqu'à former un angle anormal, alors qu'un glaçon de la taille de mon avant-bras s'était frayé un chemin. Son cou était brisé, son torse déchiqueté. Des lambeaux de chair pendaient en ruban, et ses mains s'agrippaient à son visage avec d'étranges ongles jaunes. Ils avaient même laissé des sillons dans la peau. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Je n'ai demandé ça à personne en particulier, avant de me rendre compte que le QG avait parlé entre eux pendant tout ce temps. « Dysfonctionnement dans le sac. Pression inattendue. Changement de température. Non, non, ce n'est pas normal, faisons pas comme si ça l'était. » « Les gars !» j'ai crié, séparant les bavardages et laissant le silence s'installer. « Pourquoi ces bras sont-ils comme ça ?»« Désolé. Eh bien, des spasmes musculaires, probablement causés par... Eh bien, par ce qui a causé la réaction inhabituelle dans son système circulatoire. Peut-être que c'est ce qui a fait que ses bras se sont recroquevillés vers son visage. »« Il y a des marques de griffures sur ses joues » ai-je répondu. De la peau sous ses ongles. Sommes-nous sûrs qu'il était mort quand je l'ai amené ici ? Une douzaine de voix pressantes et alarmées, toutes désespérées d'éviter le moindre soupçon de responsabilité,
m'ont dit que non, ce n'était pas possible. Mais en regardant le visage torturé de Ben, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un peu de doute. J'allais demander ce que je devais faire quand le soleil s'est levé sur la station. Contrairement à la Terre, ce n'était pas un matin doux. Il s'est déclenché comme un interrupteur. Heureusement, la combinaison a réagi avant qu'il ne m'aveugle, mais la température a commencé à grimper rapidement. J'ai vu quelque chose sous la peau de Ben se tordre sous l'effet de la nouvelle chaleur. Ce n'est vraiment pas normal. Nous ne pouvons pas en dire plus sur la situation pour l'instant. Les images que vous nous envoyez sont en train d'être examinées par un groupe d'experts. M'a dit le QG, d'une manière un peu urgente et robotique, comme si la personne à l'autre bout du fil étouffait la panique. Les ordres actuels sont de prélever des échantillons, de refermer le sac et de retourner à la station. Vous êtes sûr que je dois emmener tout ça à l'intérieur ? Il y a eu quelques marmonnements avant que le même opérateur ne réponde. Oubliez les échantillons. Scellez le sac, retournez à la station. Avec plaisir ! Ai-je répondu avant de fermer la fermeture éclair. J'avais hâte de partir, et j'ai fait le chemin du retour plus vite que je ne l'aurais dû. Cette sensation de rampement que l'on ressent lorsqu'on est observé, j'en étais imprégné. Elle m'a rendu maladroit, et je me suis cogné plus d'une fois sur le chemin du retour, comme si je n'étais pas habitué aux commandes de la combinaison. Je ne pouvais pas échapper à l'idée que partout où je regardais, quelqu'un ou quelque chose était revenu en arrière, jusqu'à l'abri des regards. Bien sûr, c'était impossible, me disais-je. Qu'est-ce qui pourrait survivre dans l'espace ? Mais cela ne faisait qu'empirer les choses lorsque j'imaginais que quelque chose se glissait dans l'ombre, tapant sur la coque, me traquant à chaque pas sur le chemin du retour. Lorsque j'atteignis enfin la porte, la tension monta en moi. Si quelque chose devait arriver, ce serait maintenant, alors que je tournais le dos à l'infini. Je ne m'étais jamais senti aussi vulnérable. Eric ? Le son m'a fait sursauter. J'étais tellement concentré sur mon environnement que j'avais oublié que j'étais surveillé par une salle pleine de gens à des centaines de milliers de kilomètres de là. Qu'est-ce qu'il y a ? Nous voyons quelque chose dont nous ne sommes pas sûrs. On nous a dit que vous devriez attendre avant de revenir. Quelque chose dans la voix à l'autre bout du fil m'a retourné l'estomac. Il n'avait pas seulement l'air confus. Et ne vous y trompez pas, quand vous vous accrochez tout seul au flanc d'une station, la confusion aurait déjà été assez pénible. Mais non, il y avait autre chose. La peur. Nous... Il y a une anomalie. A-t-il ajouté. Eric, personne ici ne sait comment procéder. Nous demandons actuellement l'avis des autorités supérieures. C'est sans précédent. Que se passe-t-il ? Dire. Cela a commencé avec, des signaux provenant de certains biomoniteurs, en particulier celui de Ben. Le dernier mot a fait l'effet d'une bombe. Quoi ? Oui, vous avez bien entendu. Et les caméras sont... Eh bien, au début, nous pensions qu'elles fonctionnaient mal. Il semblait que le sac de Ben était vide. Et puis, Eric... Nous avons remarqué quelque chose. Quelque chose d'autre. Les gars, qu'est-ce qui se passe ici ? Oui, très bien. On me dit que je ne peux pas en dire plus. Attendez. J'ai resserré ma prise sur la balustrade, le cœur battant la chamade. Enfin, la porte s'est ouverte, et j'étais prêt à ignorer tous les ordres lorsque l'homme qui me parlait depuis le QG m'a pratiquement crié à l'oreille. N'entrez pas ! Eric, n'entrez pas ! N'entrez pas ! N'entrez pas dans la station ! Ce que nous voyons sur les caméras, vous ne pouvez pas le laisser entrer ! S'il y a quelque chose ici, je me mets à l'abri avant que ça m'atteigne. Je me suis arrêté. Mon cerveau a réfléchi. J'avais entendu ça. J'avais entendu quelque chose dans le vide spatial. J'ai regardé mes mains, mes pieds. Ce n'est pas possible, à moins que... Sans bouger la tête,
Je tournai les yeux vers l'extrême limite du champ de vision de mon casque et observai un ongle jaune qui tapait doucement sur la vitre. L'homme du QG a parlé dans un chuchotement terrifiant. « Il est sur votre combinaison. » La terreur qui m'a traversé était électrique, du feu blanc dans mes veines. Sans même réfléchir, j'ai réagi comme si je venais de découvrir qu'une grenade était attachée à mon dos. Tout mon instinct, aucune rationalité. J'ai crié et j'ai pivoté, essayant de faire tomber Ben de mon dos. Mais tout ce que j'ai fait, c'est déclencher des alarmes et endommager ma combinaison. « Enlevez-le !» Je n'ai crié à personne en particulier, c'était instinctif. « Enlevez-moi ça !» Je me suis débattu désespérément et j'ai senti que quelque chose se déplaçait à l'extérieur de l'encombrante combinaison. Finalement, mes yeux se sont posés sur quelque chose d'utile, les commandes du jet. J'ai mis mes mains en place et je me suis immédiatement projeté dans la chambre de pression ouverte, me retournant à la dernière minute pour que l'arrière de la combinaison s'écrase contre l'épaisse porte secondaire. J'espérais seulement que ce qui s'accrochait à mon dos avait été détruit par l'impact. Mais quand j'ai levé les yeux, Ben était toujours là à me regarder, la bouche pleine de sang gelé. Lentement, avec l'assurance d'un prédateur, il s'apprête à pénétrer dans la station. « Eric, éloignez-vous de la porte! Nous lançons un arrêt d'urgence !» Ben avait une main à l'intérieur lorsque la porte se referma avec fracas et la trancha. Même dans l'espace, avec la cloison entre nous, j'aurais juré l'avoir entendu crier. Il n'était pas possible d'ignorer Ben ou les sons qu'il émettait. Plus maintenant, de terribles bruits sourds qui frappaient la station, leur emplacement changeant apparemment au hasard. Cela rendait les gens au sol fous. Oh, j'avais entendu ma part de rationalisation au cours des dernières heures. Depuis la mort de mon collègue, je me débattais avec toutes sortes de pensées bizarres. Mais après la sortie dans l'espace, c'était comme si elles étaient toutes sorties de ma tête et qu'elles terrorisaient maintenant d'autres sceptiques du même acabit. Malgré tous leurs efforts, personne au QG ne parvenait à comprendre ce qui se passait. Mais ils n'avaient pas le journal. Après ce qui s'était passé lors de ma sortie dans l'espace, il était devenu prioritaire pour moi de comprendre ce qui se passait. Les chiffres que Ben avait enregistrés n'étaient que du charabia. Je l'ai su dès le début. Les lire, c'était avoir l'impression de lire une autre langue. Quelque chose de secret et de caché. Et bien que je n'ai jamais déchiffré le code, pas même maintenant après tout ce temps, j'ai compris où Ben l'avait trouvé. La lumière. L'astuce consistait à approfondir les recherches de Ben, plus précisément sur un de ses projets favoris qu'il a poursuivi presque toute sa vie. Une petite comète, une boule de glace, située dans la ceinture de Kepler, près de l'endroit où le système solaire s'arrête et où le grand vide cosmique commence. Quelque chose de petit et d'insignifiant qui tournait et se déplaçait et qui, de temps en temps, attrapait le soleil, faisant rebondir les photons sur nous. Une boule de neige scintillante si faible qu'elle est invisible, à moins de regarder au bon endroit, au bon moment. C'est ce qu'a fait Ben lorsqu'il avait 10 ans et qu'il jouait avec le télescope de jardin de son père, un amateur. Une lumière dans l'obscurité. Une lumière qui s'adressait à quelques instruments que Ben avait réglés pour enregistrer chaque petite émission. Flash allumé, flash éteint, flash allumé. Éclair éteint, flash allumé. Quelque chose lui parlait. Quelque chose d'extérieur lui avait parlé. Je ne sais pas ce qui m'a le plus effrayé. Le bruit d'un Ben réanimé s'acharnant sur la station, une menace imminente, trop proche, ou l'idée que quelque chose dans le vide chuchote des secrets inconnus à un homme depuis 2 décennies. Une idée qui montait parfois comme la marée, m'engloutissant tout entier si je m'y attardais plus que quelques instants. Je n'ai jamais compris ce que disait la transmission, mais j'étais néanmoins fasciné. Pas seulement à cause du petit journal de Ben qui contenait des centaines, des milliers d'enregistrements manuscrits, mais la transmission en direct qu'il avait installée sur son ordinateur, celle qu'il avait convertie en son. C'était comme un verre d'oreille sous stéroïde, comme un bruit blanc fait d'acide,
un flot d'idées étrangères qui me laissait confus et baveux si je l'écoutais trop longtemps. En tout et pour tout, je n'ai pas passé plus que quelques jours à avoir accès à cette transmission, et à la fin, j'avais l'impression d'être sur le point de fondre. Mais Ben avait été exposé à cette chose depuis son enfance. Il avait passé des années et des années à écouter, à enregistrer et à attendre, travaillant à quelque chose qu'aucun d'entre nous ne pouvait espérer comprendre. Je devais supposer que la transmission était responsable de sa mort, et pire encore, de ce qui lui était arrivé par la suite. Cela avait-il toujours été la raison de sa venue dans l'espace? Le Ben que j'avais connu n'était-il qu'un leurre? Le son, la lumière venant de l'extérieur, c'était faux. Ce n'était pas une douce accalmie ou le chant d'une sirène, c'était sombre et puissant. Pourquoi y avait-il cédé? Pourquoi avait-il fait tout ce que la lumière voulait? Quelle part de sa vie avait-il vécu à cause de ses besoins et de ses désirs? Une chose dont je pouvais être sûr en passant des jours à écouter la furie de Ben à l'extérieur de la station, c'est que ce qui lui avait parlé était hostile, et qu'il ne pouvait pas faire autrement. C'était hostile, et je ne pouvais pas le laisser revenir avec moi. Eric, on me dit que ça sera un ramassage peu conventionnel. J'étais en train de m'habiller. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? J'ai demandé ce qu'il m'avait dit tout en retirant mon casque en lançant la séquence d'ouverture de la porte. « On s'inquiète de la contamination », m'a dit le pilote. « Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie. Il n'a pas précisé s'il s'agissait d'une contamination biologique ou chimique. Tout cela semble un peu bizarre si tu veux mon avis. Mais nous sommes censés te récupérer au milieu de la marche spatiale. C'est bien ça ?»« Oui. »« Tu es prêt pour ça ? On nous a dit que nous pouvons nous en approcher à environ 200 mètres. » Mais que tu devais fermer le reste avec les propulseurs de ta combinaison. Ça va être quelque chose de très compliqué pour toi. Un voyage non attaché d'un véhicule à l'autre. Cela n'a jamais été fait auparavant. Est-ce que tu te sens capable de le faire ? Je suis bien conscient des risques. Garde les yeux ouverts. Comment ça, garde les yeux ouverts ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? S'écrie-t-il. Tu le sauras quand tu le verras. J'ai fait le voyage dos à la navette, flottant dans la mauvaise direction à une vitesse lente mais constante. Mes yeux étaient rivés sur la station, à la recherche de signes de Ben. Il y avait de temps en temps un éclair rouge, une légère lueur de mouvement souvent masquée par les panneaux et les antennes de la station, qui me faisait savoir qu'il était toujours à l'extérieur, en train de rôder quelque part. Tant qu'il restait là, je savais que tout irait bien. Mais pendant tout ce temps, j'attendais que l'autre pied tombe, que la tension explose enfin et que le danger de mort me guette. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je me suis finalement approché de la navette sans incident. Le pilote m'a dit que j'étais à quelques mètres et qu'il était temps de faire demi-tour, ce que j'ai fait, dérivant aussi doucement qu'un plongeur remontant à la surface. Je ne tournais le dos à la station que depuis quelques secondes lorsque le pilote a grogné. « C'est bizarre. C'est vraiment, vraiment bizarre. » Il avait l'air nonchalant, mais l'objet qui m'a frappé était tout sauf anodin. Ben, peu soucieux de faire le voyage en toute sécurité, s'était élancé de la station aussi vite qu'il le pouvait. Sans pouvoir ralentir, il m'a frappé à pleine vitesse, me plaquant contre une partie du cadre de la porte, en nous renvoyant tous les deux dans le vide avant même que quiconque ait eu le temps d'enregistrer son attaque. Cette fois-ci, il ne me laissa pas une porte entre nous. Il s'est précipité sur ma combinaison comme un insecte dérangé, que j'ai désespérément essayé de repousser tandis que le grand vide tournoyait autour de nous. Les étoiles se transformaient en lignes. La navette passait devant le champ de vision de mon casque dans des directions presque aléatoires. C'était écœurant et terrifiant, et j'espérais pouvoir corriger la rotation avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Mais tout cela passait après le monstre qui s'accrochait à ma combinaison. À un moment donné, il a rampé de telle sorte que j'ai pu le voir de près. Pour la première fois depuis quelques jours. C'était de très près. C'était personnel. Même avec le verre du casque entre nous, je pouvais distinguer des détails si frappants que je me suis momentanément figé de terreur, ne percevant que vaguement les transmissions paniquées du pilote. « Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eric, tu dois te stabiliser. Si tu vas plus loin, nous ne pourrons pas t'aider. Et quoi que tu fasses, tu dois savoir que cette putain de chose ne montera pas à bord de cette navette. » Si je dois choisir entre te laisser mourir et infecter toute la navette, le choix est vite fait.
C'est cruel, mais je pense que tu peux comprendre, n'est-ce pas ? Je voulais répondre, mais j'étais occupé à essayer de mettre un bras entre moi et Ben, qui était maintenant une profusion de cristaux rouges déchiquetés de différentes tailles. Certains étaient aussi gros que des couteaux de cuisine, d'autres ressemblaient à des aiguilles à coudre. Le pire cauchemar d'une combinaison spatiale. Une perforation n'entraînerait pas la décomposition immédiate à laquelle vous pensez probablement. Au lieu de cela, j'aurai quelques instants tout au plus avant que l'air enveloppant la combinaison ne se dissipe. Après quoi, mes poumons s'affaisseraient, mon sang commencerait à bouillir et l'eau contenue dans mes yeux, mon nez, mes oreilles et d'autres tissus mous se vaporiseraient et essaieraient de s'échapper, comme des engelures en accéléré. Mais les piqûres n'étaient pas ma seule préoccupation. Je savais que je devais empêcher les mains de Ben de s'accrocher au casque. Je ne sais pas si ceux qui l'avaient animé avaient accès à tous mes souvenirs, mais Ben savait certainement comment enlever un casque de l'extérieur. Alors toute ma concentration s'est portée sur l'éloignement de ces vilains petits doigts de mon cou. Une perforation me laisserait encore assez de temps pour retourner à la navette, mais sans casque, je serais condamné à une mort très douloureuse. J'ai donc lutté du mieux que j'ai pu, sachant que tout dépendait de ma capacité à le repousser. Mais Ben était léger, comme un insecte, glissant constamment hors de portée chaque fois que j'étais sur le point de lui donner une bonne poussée. Ses doigts pouvaient facilement s'accrocher à la combinaison et ses nombreux petits détails, alors que je n'avais que des gants de cuisine qui n'offraient aucune dextérité. Je n'avais aucun espoir de le secouer de la manière habituelle, mais j'avais un atout, l'inertie. Pendant tout ce temps, nous avions tourné furieusement et cette force de rotation était à peu près la seule chose qui essayait de nous séparer. Jusqu'à présent, je l'avais combattu, mais pourquoi ? Je me suis rendu compte au dernier moment qu'il ne me restait qu'une option. J'ai donc enclenché la moitié des propulseurs et j'ai décidé d'aggraver la rotation presque incontrôlée. Normalement, une vrille incontrôlée est l'un de ces scénarios cauchemardesques que tout astronaute redoute. Les êtres humains ont une forme irrégulière et dès que vous commencez à tourner sur plus d'un axe, l'application d'une force supplémentaire risque d'aggraver la situation. Il faut une grande expérience et beaucoup de perspicacité pour corriger la situation. Et même dans ce cas, il n'est pas certain que vous puissiez l'arrêter. Il est plus probable qu'au moment où vous comprendrez ce qu'il faut faire, les forces de rotation vous auront fait perdre connaissance. Et à partir de là, la mort n'est plus qu'à un jet de pierre. Pour moi, c'était la seule chance que j'avais. J'ai donc accéléré la rotation, et j'ai continué à accélérer, et maintenant le bouton enfoncé jusqu'à ce que les forces en jeu tirent Ben de plus en plus vers l'avant de la combinaison. C'est là que l'inertie nous a menés. Deux objets en quasi-symétrie, prêts à se séparer dans des directions opposées à tout moment. Ben a tenu bon plus longtemps que moi. À un moment donné, mes membres se sont affaiblis, ma vision s'est obscurcie, et mes bras sont tombés le long de mon corps, incapable de lutter contre le monstre. Mais à ce moment-là, il a fallu tout ce que Ben avait pour s'accrocher à moi, et il ne pouvait plus attaquer ou tripoter mon casque. Finalement, même lui a dû céder, car la rotation devenait de plus en plus rapide et les forces qui tentaient de nous séparer devenaient trop fortes. C'était comme si toutes les montagnes russes que j'avais connues avaient fusionné et étaient montées en flèche. La dernière chose dont je me souvienne, avant de perdre connaissance, c'est d'avoir vu le visage monstrueux de Ben être projeté dans le vide. Je suis remonté à bord de la navette. Plusieurs hommes et femmes se pressaient autour de moi. « Bon sang, t'es vraiment un sacré vénard !» J'ai grogné et j'ai regardé la personne qui avait parlé. C'était le pilote. C'était bien de mettre un visage sur sa voix. « Je ne me sens pas chanceux, » ai-je soufflé. « Tu as filé droit sur nous. Nous étions déjà équipés et en route. C'était bien programmé. » Cette combinaison est criblée de trous. Un peu plus tard, nous n'aurions pas été là pour te rattraper et te mettre à l'abri. Comme c'est le cas, mon pote, tu rentres chez toi. L'examen médical n'a révélé aucun problème. Où est Ben ? Les gens autour de moi ont partagé un regard amusé avant que l'un d'entre eux ne réalise. Benjamin Watley ? L'autre astronaute à bord ? C'est lui qui t'a attaqué ? J'ai acquiescé. Eh bien, il est parti. Si c'était vraiment ton collègue, On est vraiment désolé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous a échappé. Toute cette histoire n'est qu'un gigantesque bazar. Il va falloir que tu nous expliques ce qu'il s'est passé.
Je vous tiendrai au courant quand je me sentirai mieux. Quoi qu'il lui soit arrivé, il va rentrer dans l'atmosphère terrestre dans les prochaines heures. Et après ? Le pilote réfléchit un instant. Un corps humain lors de la rentrée en atmosphère ? Il va s'enflammer, bien évidemment. Immolation ! Ma maison est vide, mais mon ami sourd et aveugle insiste sur la présence de quelqu'un. On dit que voir, c'est croire. Mais si j'avais suivi ce conseil, je serais mort maintenant. C'est un ami sourd aveugle qui m'a dit pour la première fois qu'il y avait quelqu'un dans la maison avec moi. Je me suis moqué, je ne l'ai pas cru. J'ai regardé la salle de séjour vide et grande ouverte. J'ai regardé à l'étage dans le bureau et la chambre d'amis, dans le patio et dans la cuisine. Il n'y avait que nous deux. Mais mon ami Will a insisté. Pendant qu'il était assis au pied de l'escalier, traçant ses doigts le long de la rampe sculptée et ornée, je suis monté prendre quelque chose dans le salon. Il a senti une autre série de pas dans l'escalier après les miens. « Qui me suivait ?» m'a-t-il dit par la suite en langage des signes lorsque nous nous sommes assis à la table pour le thé. Puis, il m'a demandé qui d'autre était là. J'ai gloussé, mes doigts chatouillant sa jambe en riant, et je lui ai dit qu'il avait dû l'imaginer. Mais il a affirmé qu'il pouvait les sentir. Quand je lui ai demandé de décrire l'odeur, il a dit que ça sentait mauvais, une sorte d'odeur d'ordure. Quelqu'un qui avait besoin d'un bain ou qui traînait dans les poubelles. Peut-être que ma poubelle avait besoin d'être sortie, ai-je dit en insistant sur le fait qu'il n'y avait que nous. Lui et moi étions censés travailler sur le scénario d'un jeu que nous développions ensemble. Il a commencé à parler en langage des signes. « Voilà, tu le sens ?» Je n'ai rien senti, et je n'ai vu personne dans le salon avec nous. Il a continué avec ses signes. « Est-ce que ton nez marche, vraiment ? Ou est-ce que c'est juste une décoration sur ton visage ?» Will a éclaté, exaspéré. Je l'ai redéposé plus tard à son appartement, après avoir terminé notre travail ensemble. Alors qu'il sortait de la voiture, il m'a de nouveau prévenu que j'avais certainement une autre personne qui se cachait quelque part chez moi. Ses mains m'ont décrit la sensation. Deux doigts de sa main droite remontant le long de mon bras vers mon épaule. Deux doigts de sa main gauche suivant derrière plus doucement. Puis, il a tapoté sa main le long de mon bras, me montrant la sensation de la vibration. D'abord plus lourde, plus solide, mais pas. Puis plus légère, mais toujours palpable. La deuxième série de pas suivant les miens et faisant vibrer les escaliers en bois. Je lui ai tapoté les bras en signe d'affirmation et je lui ai dit que je fouillerais la maison en rentrant. « Fais attention », a-t-il dit, ses gestes emphatiquement lents, et il a serré mon bras une dernière fois avant de se diriger vers l'avant de son immeuble en tapotant avec sa canne blanche. Dès que je suis arrivé chez moi, j'ai fouillé la maison. Mais je n'arrivais pas à imaginer où un intrus aurait pu se cacher. C'était une maison confortable, sur deux niveaux, avec une petite superficie. Le loyer était étrangement bas, mais je l'ai mis sur le compte de l'absence de climatisation, des tuyaux grinçants et de l'ancienneté de l'endroit. J'ai regardé sous l'évier, dans les placards, dans les armoires et dans la chambre d'amis. J'ai même acheté une caméra et je l'ai installée. Mais tout ce que j'ai filmé pendant la nuit, c'était moi en train de faire du somnambulisme. Je me souviens vaguement de m'être réveillé dans l'escalier et d'être retourné au lit. À part ça, la capture de mouvement ne s'est pas activée. D'après la vidéo, j'étais bien seul dans ma maison. Pourtant, le lendemain matin, je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il avait dit. On dit que si on perd un sens, les autres deviennent plus aiguisés pour compenser. Mais que se passe-t-il si l'inverse est également vrai? Est-ce que le fait que je me fie à mes yeux fait que mon cerveau ne perçoit plus mes autres sens? Et si j'essayais de fermer les yeux? Cela semble idiot. Malgré tout, sur un coup de tête ce soir-là, j'ai fait le tour de la maison en portant un bandeau sur les yeux. Je me dirigeais à tâtons dans la cuisine
remplissant un verre d'eau de l'évier, lorsque j'ai entendu, ou plutôt senti, la présence de quelqu'un. Je n'arrivais pas à savoir pourquoi. J'avais juste l'impression de ne pas être seul. Les poils de mon cou se sont dressés, et soudain, j'étais absolument certain que quelqu'un venait derrière moi. J'ai arraché mon bandeau. Il n'y avait que moi. Pourtant, la sensation a persisté un moment, cette chair de poule persistant sur mes bras. J'ai remis le bandeau sur mes yeux et j'ai tourné en rond dans la cuisine pendant un moment. C'est alors que j'ai remarqué l'odeur, comme de la viande pourrie, comme de la chair non lavée, gâtée et affreuse, et elle était si faible, elle flottait de temps en temps. Les poils de ma nuque se sont encore dressés. Je suis monté à l'étage, essayant de suivre l'odeur, mais je l'ai perdue presque immédiatement en entrant dans ma tanière. Je suis redescendu, mes doigts traçant légèrement le mur. Je me suis arrêté, car j'ai senti des pas derrière moi. J'ai senti la douce réverbération sur l'escalier en bois, juste un temps après les miens. C'était exactement comme Will me l'avait décrit. Quelqu'un était là, juste derrière moi. J'ai senti un souffle froid sur mon oreille. J'ai arraché le bandeau et je me suis retourné. L'escalier était vide. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai eu du mal à m'endormir. J'avais peur de ce qui pourrait se passer pendant la nuit. Et bien sûr, je me suis réveillé dans l'escalier en somnambule. Mais au lieu de retourner au lit, j'ai essayé de me maintenir dans cet état de rêve et j'ai gardé les yeux fermés. Mon bras était froid. Il m'a fallu un moment pour réaliser que quelqu'un me tenait la main. Un contact de doigts glacés m'attirant vers l'avant. Ses doigts morts me conduisaient vers les escaliers. Tous mes instincts me disaient d'arracher ma main et de courir, mais j'ai laissé la main morte me guider jusqu'à ce que je sois sur le palier. L'odeur de pourriture m'a fait pleurer lorsque la porte de la chambre d'amis s'est ouverte. Un sentiment d'effroi écrasant m'empêchait de respirer alors que la main me guidait à travers la pièce. Puis mes doigts ont touché la poignée froide de la porte du balcon et ont poussé la porte, l'air frais soufflant en rafale autour de moi. J'ai reculé, la terreur me transperçant, et je me suis précipité sur l'interrupteur. J'étais à nouveau seul. Je suis maintenant à la recherche d'un nouvel endroit où vivre. Oui, il a raison, je ne suis pas seul, et ma vie est en danger chaque nuit que je passe ici. Je dois partir dès que possible, mais mon budget est serré et les logements sont rares dans cette région. Alors en attendant de trouver un endroit, j'ai installé un verrou sur les portes du balcon et déplacé une lourde bibliothèque devant elle. J'ai verrouillé la chambre d'amis également. Vous voyez, j'ai fait des recherches et j'ai découvert que le locataire qui vivait ici avant moi est mort en se pendant au balcon de la chambre du haut. Avant lui, il y avait une vieille femme qui vivait ici avec sa fille, et cette dernière a également été retrouvée pendue. En fait, je ne sais pas combien de personnes avant moi sont mortes ici, apparemment en mettant fin à leur jour. On ne dit pas que la maison est hantée, car personne n'y a jamais vu de fantôme, mais chaque jour, je sens que quelqu'un est dans la maison avec moi, que ses pas marchent juste derrière les miens, et chaque nuit, ses doigts morts me prennent la main et essaient de me conduire sur le balcon. Je pense que ses clients réguliers me harcèlent. Je suis une jeune fille de 19 ans. Et je travaille comme serveuse dans un petit restaurant local dans la ville où j'étudie actuellement, à l'université. Cet emploi est censé m'aider à acquérir une certaine éthique de travail, et plus important encore, à gagner de l'argent pendant que je suis loin de chez moi. Tous ceux qui ont travaillé dans le secteur des services savent ce qu'il en est. Des heures bien plus longues que celles prévues dans le contrat, des appels de dernière minute, des clients horribles et des directeurs encore pires. Ce n'était pas toujours mauvais, mais ce n'était pas souvent bon. Je détestais le travail en soi, mais sans lui,
je pouvais à peine me permettre de manger, et encore moins de sortir et de socialiser. Les personnes avec lesquelles je travaillais rendaient la situation supportable. Les soucis sont devenus ma vie sociale. La maison me manquait beaucoup. J'ai grandi dans une belle maison, avec une famille merveilleuse. Mon père et ma mère étaient si parfaits qu'ils étaient comme des parents de catalogue. Ils travaillaient tous les deux dans la médecine. Mon père était médecin et ma mère chirurgienne. Ils étaient tous les deux en forme, en bonne santé et aimants. Ma petite sœur avait 16 ans et me paraissait différente. Elle avait la peau olivâtre et des cheveux plus foncés qui descendaient dans son dos, tandis que mes boucles blondes indisciplinées s'arrêtaient à mes épaules. Les gens s'étonnaient souvent que nous soyons sœurs, mais une fois que nous étions en contact, on pouvait dire que nous étions de la même famille. Personne n'avait vu des sœurs aussi proches. Nous étions amis. La plupart des frères et sœurs que je connaissais se disputaient constamment. Mais pas ma sœur et moi. Nous avons eu la chance d'avoir une excellente relation. Je pense que tous les privilèges avec lesquels j'ai grandi m'ont frappée lorsque je suis arrivée à l'université. J'ai noué des amitiés avec des gens d'horizons très divers, et j'ai réalisé à quel point j'étais aveugle au monde. J'avais navigué jusqu'ici alors que d'autres s'étaient épuisés à la tâche pour avoir une chance. En voyant à quel point j'avais la vie facile en comparaison, j'ai eu l'impression d'être une sale gosse qui avait droit à tout. J'ai pris un emploi d'attente pour essayer d'apprendre à fonctionner seule. J'ai même appelé mes parents pour leur demander d'arrêter de m'envoyer de l'argent. J'étais déterminée à être indépendante. Mon amie Casey travaille là, et c'était bien de travailler avec une amie. Nous pouvions nous plaindre ensemble des horaires difficiles et des clients de merde. Casey et moi travaillions surtout la nuit. Nous commencions à 17h et le restaurant fermait vers 23h, en fonction du nombre de clients qui décidaient de rester après la fermeture officielle de 22h30. Nous restions pour passer la serpillière et nettoyer le coin salon. On nous malmenait beaucoup pendant le service de nuit. Les gens ont tendance à s'enivrer davantage pendant le dîner et adorent se défouler sur leur serveuse. Ne vous méprenez pas, tous les clients ne sont pas des salauds, mais les salauds se font remarquer. Les généreux pourboires des ivrognes en valaient cependant la peine. Casey a connu pire que moi, en raison de ses origines tanzaniennes. Elle avait un client régulier qui faisait la même horrible blague sur les esclaves lorsqu'elle lui livrait son repas à chaque fois. Le gérant n'a jamais rien fait, et les propriétaires n'étaient jamais là. Le type laissait un énorme pourboire, mais était un raciste flamboyant qui la faisait grimacer chaque fois qu'elle le voyait dans son rayon. Nous nous y étions habitués. Après qu'un type m'a demandé si mes parties intimes figuraient sur le menu devant ses enfants, je ne pensais pas pouvoir me sentir à nouveau mal à l'aise avec un client. J'étais désensibilisée. Puis, il y a 4 ou 5 mois, tout a changé. Un homme était assis dans ma section. Il dînait seul, et j'essaie toujours de faire un effort pour que les personnes qui dînent seules se sentent spéciales. Ils sont souvent gentils et semblent ne jamais faire d'histoire. Je me suis approchée de sa table, prête à prendre sa commande de boisson. En m'approchant de sa table, j'ai senti qu'il me fixait de l'autre côté du petit restaurant. Il était d'âge moyen, probablement du même âge que mes parents. Il avait des cheveux ébouriffés, un peu touffus et négligés, il portait une paire de lunettes légèrement tordues, et sa veste en lambeaux était tachée. Et il ne s'est jamais départi de son regard. Ses yeux sont restés fixés sur moi tout le temps. Plus je m'approchais, plus je me sentais mal à l'aise. Il n'avait pas l'air heureux, mais en même temps, il l'était. Il n'arrêtait pas de me fixer avec cette expression étrange sur le visage. Il me regardait comme si j'étais une sorte de divinité, en chair et en os. Je lui ai demandé ce qu'il souhaitait, tout en restant amical et professionnel, mais j'ai décidé de ne pas trop interagir. Quelque chose chez ce type me donnait la chair de poule. Il a commandé une bouteille de vin blanc sec et j'ai su que j'étais là pour longtemps. Je lui ai livré sa bouteille et j'ai versé le premier verre, tandis qu'il continuait à me fixer avec la même expression étrange. Dans des circonstances normales dans le monde réel, je lui aurais demandé quel était son problème. Mais c'était le travail. Il était relativement calme et j'avais besoin d'un bon pourboire pour payer un billet de festival. J'ai pris sa commande d'entrée et je me suis éloignée pour servir mes autres tables. Tous les clients avec lesquels j'ai interagi se sont fondus en un seul. La seule chose que j'ai vraiment remarquée de toute la soirée, c'est que ce type me regardait fixement. Tout le temps. Pendant que je lui livrais son repas, il mangeait, je servais d'autres tables et je me promenais dans l'établissement pour faire mon travail. Je me suis retrouvée à m'aventurer dans la cuisine pour échapper à son regard. Les chefs se moquaient de moi. Ils disaient que je venais de me trouver un nouveau petit ami. Plus je paniquais, plus ils trouvaient ça drôle. Mais quelque chose me faisait frémir. Je ne trouvais pas ça drôle du tout. Il est resté 1h30. Et a mangé 3 plats et bu 2 bouteilles de vin. Il a laissé un bon pourboire. Même lorsqu'il est parti, il m'a observé. Il devait pratiquement marcher à reculons pour ne pas rompre le contact visuel.
après la fermeture, je n'ai pensé qu'à cet homme. Il y avait eu beaucoup de monde toute la nuit et je n'avais remarqué Casey qu'à la fin. Elle ne l'avait pas remarqué. J'espérais que quelqu'un d'autre l'aurait remarqué pour que je ne me sente pas si stupide. La semaine suivante, je n'y ai pas beaucoup pensé. À cause du travail à l'université, des autres clients et des divers événements de la semaine, ce type qui me fixait est devenu un client bizarre de plus. Une histoire à raconter pendant la cigarette d'après fermeture au travail. Jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, l'homme soit à nouveau assis dans ma rangée. Cette fois, il n'était pas seul. Il avait amené une femme avec lui. Elle avait les cheveux bouclés et négligés, tout comme lui, d'énormes poches sous les yeux et une expression fatiguée. Je les ai remarqués avant qu'il ne me remarque. J'étais contente qu'il ne soit pas seul cette fois-ci. J'ai d'abord pensé que la présence de la femme le préoccuperait et l'empêcherait de me fixer. J'avais tort. Après avoir pris une longue inspiration, j'ai bondi jusqu'à leur table et mon cœur s'est effondré. La femme m'a aperçu et m'a regardé avec stupeur et horreur. Elle a adopté la même expression étrange que l'homme avait prise la première fois et qu'il prenait à nouveau. Ils m'ont regardé à l'unisson. J'ai pris leur commande de boisson et je me suis précipitée en entendant des chuchotements inaudibles pendant que je m'éloignais. Quelque chose ne tournait pas rond. Casey travaillait cette fois-ci et avait la section la plus proche de la mienne. Je l'ai surprise dans la cuisine et lui ai dit qu'il était de retour et que la dame faisait la même chose. Bien sûr, leur comportement a continué. Alors que je prenais les commandes de nourriture après avoir livré les boissons, la femme a essayé de me parler. « Chloé ?» commença-t-elle doucement. Mais l'homme lui a saisi le genou sans rompre le contact visuel avec moi. Je me suis demandé comment elle connaissait mon nom. Et bien sûr, lors de ma première salutation de serveuse, j'ai dit mon nom. Peu de clients s'en souviennent cependant. Et le restaurant était assez haut de gamme, nous ne portons pas de badge. Ils étaient vraiment attentifs. Cela m'a rendue nerveuse. L'homme l'a interrompue dans sa commande et a également commandé pour elle. Je n'aime pas que les gens commandent pour leurs partenaires, cela me semble un peu archaïque. Je ne suis pas restée, mais les chuchotements semblaient plus ciblés cette fois-ci. Ils sont restés 2 heures cette fois. L'homme a continué à me fixer comme il l'avait fait la semaine précédente. Et la femme a alterné entre le fait de me fixer de la même manière et le fait de se poudrer le nez dans les toilettes. Elle est revenue plus crispée à chaque fois, ce qui aurait expliqué les poches qu'elle avait sous les yeux. Une fois de plus, ils ont laissé un généreux pourboire, mais cela n'a rien fait pour atténuer le sentiment de profond malaise que j'avais. À la fin, Casey m'a dit qu'elle l'avait remarqué elle aussi. Elle m'a dit que la façon dont il m'avait regardée était effrayante. Cela peut paraître exagéré, mais aucun d'entre eux ne m'a quitté des yeux. À moins que je ne m'éloigne de leur champ de vision. C'était bien de savoir que quelqu'un l'avait vu. Et ils sont revenus la semaine suivante. Et la suivante. Et la suivante. J'ai essayé de changer d'équipe, mais je ne pouvais pas le faire en même temps que mon travail à l'université. Et j'ai essayé de changer de section. Un soir, Casey a servi leur table à ma place. Et alors même qu'il lui indiquait leur commande de boisson, il m'observait. C'était comme si personne d'autre dans la salle n'était présent pour eux. Je m'en suis plainte au directeur, mais il s'est contenté de rire. Il ne pouvait pas parler au client du simple fait qu'il regardait l'un de ses employés, comme il l'a dit. Au bout de quelques semaines, le type a commencé à faire des visites plus solitaires à des moments aléatoires de la semaine. Il venait chercher des boissons et un petit quelque chose à manger. Si je n'étais pas en service, il ne restait pas longtemps. Le directeur me disait même en plaisantant lorsque j'arrivais au travail que mon petit ami était entré et qu'il était rentré chez lui parce que je n'étais pas là. Les chefs trouvaient cela hilarant. Personne ne se rendait compte à quel point ça m'effrayait. Ils ont commencé à se montrer partout, faisant leurs courses dans les mêmes magasins que moi, passant devant moi dans la rue, prenant les mêmes bus que moi à des arrêts différents à chaque fois. Je ne les voyais jamais que le temps d'un éclair, ou alors il y avait trop de monde pour que je puisse les arrêter et leur demander pourquoi ils me suivaient. Récemment, un soir, j'aurais juré avoir vu la femme. Elle fixait ma fenêtre depuis l'autre côté de la route sur le campus. Lorsque j'ai décroché mon téléphone pour appeler la police et que j'ai levé les yeux, elle avait disparu. J'ai sangloté cette nuit-là, partagée entre une véritable terreur et l'inquiétude de voir que j'étais en train de lire si profondément dans le vide. Après avoir vu la femme par la fenêtre, j'ai commencé à porter une alarme anti-viol. Je voulais juste quelque chose d'assez bruyant, au cas où on m'attraperait. Ce couple semblait tellement fixé sur moi que je me sentais vulnérable en permanence. Je ne savais pas s'il fallait appeler la police ou non. Je n'avais aucune preuve réelle et il n'avait rien fait de mal. Peut-on arrêter quelqu'un pour vous avoir mis mal à l'aise? Chaque semaine, je redoutais cette garde, celui pour lequel je savais qu'il serait là. Mon alarme anti-viol ne me faisait pas me sentir plus en sécurité. Le pourboire n'en valait plus la peine.
je commençais à perdre la raison. Le week-end qui venait de s'écouler, je le redoutais plus que jamais. Je les avais vus au total 12 fois au cours de la semaine, et qui sait combien de fois ils me regardaient sans que je le sache. Cette même expression triste mais heureuse qu'ils arborent à chaque fois. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être était-ce le manque de sommeil, peut-être était-ce les somnifères que j'avais pris pour y remédier. Plus probablement, c'était le fait que Casey était parti pour le week-end, et que je n'avais pas de chauffeur pour me ramener à la maison ce soir-là. Quoi qu'il en soit, quelque chose m'a convaincu de mettre un couteau dans mon sac à main ce soir-là. Malgré ce qui s'est passé, je suis contente de l'avoir fait. Comme prévu, le couple est venu pour leur réservation hebdomadaire. Je ne les ai pas servis. Le mieux que j'ai pu obtenir de la crèche était qu'elle les serve elle-même pour que je n'aie pas à le faire. Ils m'ont regardé fixement pendant tout ce temps, comme ils le font toujours. La dame n'arrêtait pas de sortir quelque chose de sa poche et de le regarder sous la table. De temps en temps, l'homme interrompait son regard pour regarder ce qu'elle tenait dans les mains et me regarder à nouveau. Cela semblait le surprendre à chaque fois. Le repas a été servi et ils sont partis, la femme froissant quelque chose dans sa poche alors qu'ils sortaient du bâtiment. Ils sont passés tout près de moi et je n'ai retenu que 4 mots de l'homme à la femme avant qu'ils ne partent. Pas encore, mais ce soir. J'en ai eu des frissons dans le dos. Il n'y avait personne ici qui pouvait me ramener chez moi. Tous les autres fermeurs restaient beaucoup plus tard que moi pour la cuisine et l'encaissement, et je savais que lorsque je partais, j'étais seule. Je savais qu'ils allaient me faire quelque chose. J'étais si contente d'avoir emporté ce couteau, même si toute cette situation me rendait paranoïaque, au moins j'avais une certaine protection. Je sentais mes mains trembler et mes paumes transpirer alors que je commençais à descendre la route en direction de l'arrêt de bus. Chaque ombre me faisait tressaillir. Le calme régnait. Les magasins étaient tous fermés et il n'y avait pas grand monde, juste quelques voitures qui passaient. Je sentais des pas derrière moi et je savais qu'ils me suivaient. J'ai gardé une main dans mon sac, prête à saisir le couteau en cas de besoin. Lorsque je me suis assise à l'arrêt de bus, j'ai enfin commencé à voir les contours de 2 silhouettes qui s'approchaient de moi. Je n'allais pas leur laisser le temps de me faire du mal. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, ils ont bien tenu le coup compte de leur âge et de leurs visages respectivement fatigués. J'ai cru qu'ils allaient me rattraper jusqu'à ce que je traverse la route. La dernière chose que j'ai entendue, c'est la dame qui a crié le nom de Holly. Puis il y a eu une grande détonation, et tout le son autour de moi s'est engourdi. Cela n'a pas beaucoup de sens, mais je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Comme si le monde allait au ralenti. Je me suis retournée pour voir les corps mutilés de mes harceleurs, étendus devant le bus qui s'était brusquement arrêté après les avoir percutés. Les os sortaient des déchirures sanguinolentes de leur chair. L'expression n'avait pourtant pas quitté leurs yeux, et d'une certaine manière, on aurait dit qu'ils me fixaient toujours. J'ai couru vers l'épave, j'ai couru vers le couple pour vérifier leur pouls tandis que le chauffeur de bus, horrifié, sortait de son véhicule. Alors que j'examinais la femme, j'ai senti un craquement dans sa poche et j'ai rapidement attrapé le contenu. 2 bouts de papier pliés et froissés, et sans les regarder, je les ai mis dans mon sac pendant que je continuais à leur donner de futiles soins d'urgence. Le couple était mort. J'ai fait ma déposition à la police, raconté aux ambulanciers ce qui s'était passé et essayé d'expliquer au chauffeur du bus que j'étais suivi et que ce n'était pas de sa faute. Ils ont littéralement couru devant lui. J'ai eu l'impression qu'il s'écoulait des heures avant qu'il ne me laisse enfin rentrer chez moi. Alors que je m'effondrais dans mon lit, je me suis souvenu des morceaux de papier que j'avais mis dans mon sac et je les ai sortis. Je les ai dépliés et lissés, et j'ai été stupéfaite par leur contenu. L'un d'eux était un article paru il y a 20 ans dans un journal national. Le titre était « Nous l'avons appelé Holly ».« Nous l'avons appelé Holly », l'histoire du couple dont le bébé a été volé dans l'utérus. La photo montrait le couple, l'air dévasté, tenant les vêtements de la petite fille. L'article expliquait que la femme avait passé beaucoup de temps à se remettre à l'hôpital de la césarienne forcée qu'elle avait subie à 8 mois de grossesse. Elle n'était en vie que grâce aux connaissances chirurgicales évidentes des agresseurs inconnus qui s'étaient introduits chez eux et avaient pratiqué la césarienne pendant que son mari travaillait à l'extérieur. Le deuxième morceau de papier a confirmé mes pires craintes. Il s'agissait d'une photo imprimée de ce qui semblait être la mère de la dame. Elle portait des boucles blondes, indisciplinées jusqu'aux épaules, et son visage était le reflet du mien. Ce matin, les journaux ont annoncé l'identité des victimes et mentionné leur tragédie passée. Mes parents n'arrêtent pas d'appeler pour savoir comment je vais après l'incident. Je pensais avoir peur du couple, mais ce n'était rien comparé à la terreur que j'éprouve maintenant, à chaque fois que le téléphone sonne. Mon chien s'est perdu pendant 3 jours. Ce qui est revenu n'était pas mon chien.
Enfant, j'ai grandi dans une petite communauté de pêcheurs située à l'est du Canada, entourée par le golfe du Saint-Laurent et la forêt boréale. L'ensemble du territoire mesurait près de 4000 mètres carrés, avec un nombre encore plus restreint de résidents répartis sur la rue principale. Cette route principale qui traversait notre petite ville, et des maisons de fermiers disséminées entre les zones d'arbres qui ont été transformées en maisons résidentielles domestiques lorsque l'agriculture a cessé d'être rentable. Au total, notre communauté est entourée d'une vaste étendue d'océan et d'un barrage d'arbres apparemment sans fin qui s'étend sur 55% du territoire canadien. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à chasser dans ces bois. Alors vous pouvez imaginer ma joie lorsque mes parents m'ont offert un chien de chasse. Sandy était un chien de berger Shetland, et même s'ils étaient plus aptes à garder et à traquer les moutons dans les plaines herbeuses que les lapins et les cerfs dans les forêts denses, cela ne m'empêchait pas de l'emmener avec moi dans toutes les excursions que je pouvais faire. Sandy avait été à mes côtés pendant suffisamment de parties de chasse pour s'habituer à se réveiller juste avant le lever du jour, et à quelques occasions, il m'avait aidé à traquer du petit gibier comme des écureuils et des lapins à travers des zones de forêt considérablement étendues. Sandy n'était pas ma propriété et n'était pas traité comme s'il m'appartenait. Sandy était un membre de la famille, mon meilleur compagnon et mon véritable ami. Je repense avec émotion à toutes les fois où il s'asseyait sur le siège avant de ma voiture sans que je lui dise, prêt à aller se promener dans n'importe quelle partie de la forêt où je l'emmenais. Je peux honnêtement dire qu'aucun chien ne comblera le vide que Sandy a laissé dans ma vie. Je trouve que les amoureux des chiens partagent ce sentiment plus que d'autres. C'était le 30 octobre, le premier jour de la saison de chasse au cerf. J'avais parlé à ma famille d'emmener Sandy, mon matériel de chasse et quelques objets essentiels dans l'une des cabanes que mon grand-père possédait à l'époque de sa splendeur, sur une route non balisée, à quelques centaines de kilomètres dans la nature sauvage, pour y passer quelques jours. Cela a suscité beaucoup de protestations, mais rien ne pouvait m'empêcher de passer un peu de temps à chercher du gibier dans une région qui n'avait pas déjà été nettoyée par des chasseurs illégaux plus tôt dans le mois. Tout a été embarqué dans la vieille Ford bleue, Sandy y compris, et quelques heures de route plus tard, nous installions le camp dans l'une des vieilles cabanes isolées de mon grand-père. Et c'est là que les choses se sont gâtées. Sandy, je suis vraiment, vraiment désolé. J'ai passé la plus grande partie de ma vie dans la nature. Il n'y a eu qu'une poignée de fois où les choses sont devenues bizarres pour moi, mais en général, tout peut s'expliquer par des raisons scientifiques. C'est pourquoi j'ai ignoré les bizarreries de Sandy les premières nuits, les mettant sur le compte de la nervosité d'un chien capable d'entendre les bruits lointains de coyotes, de loups, d'ours et d'élans. Il s'agissait d'un territoire vierge, bien sûr. Les animaux sauvages ont eu tout le temps de s'y installer. La première nuit s'est déroulée normalement. J'avais installé le lit de Sandy dans un coin du salon, à côté de la télévision qui semblait sortir du début des années 90. Je me suis dit que j'allais donner à Sandy la possibilité d'avoir un endroit où s'allonger pendant un moment, même s'il dormait en boule avec moi 9 fois sur 10. Vers 10h du soir, Sandy a regardé la porte en bois et a gémi. Je me suis dit qu'il avait envie de pisser et j'ai ouvert la porte pour le laisser sortir, sans craindre que mon meilleur ami ne s'éloigne trop de moi. Au lieu de cela, il s'est assis juste à l'intérieur de la porte, regardant la lisière de la forêt au-delà du chemin. Moi aussi, je suis resté debout et j'ai regardé pendant quelques minutes avant de décider qu'il venait d'entendre une créature errante près de la cabane. Le reste de la nuit s'est déroulé normalement et Sandy a bien dormi avec moi. La deuxième nuit, j'ai mis cette bizarrerie sur le compte du stress de Sandy. Plus tôt dans la journée, nous avions marché quelques kilomètres dans les bois au-delà de la maison et j'ai cru entendre le bruit de brindilles craquant sous quelque chose de lourd. J'espérais qu'il ne s'agissait pas d'un élan, car mon fusil de chasse n'aurait eu aucune chance. Mais quelque chose a changé chez Sandy, auquel je n'ai pas prêté attention sur le moment. Il s'est recroquevillé sur ses pattes arrière, l'avant pressé contre le sol. Sa gueule s'est relevée sur ses dents et il a grogné vers le néant. Je me suis dit qu'on essaierait de chasser à nouveau plus tard, si la chose était partie et s'il se sentait prêt à le faire. Mais une fois à l'intérieur,
il n'a pas voulu bouger. Même quand j'ai essayé de le faire sortir pour qu'il fasse ses besoins, il s'est assis à la porte et a pleuré, me faisant comprendre qu'il ne voulait pas sortir. Je ne lui ai pas mis la pression. S'il pissait par terre, qu'il en soit ainsi. Sandy n'avait jamais fait de bêtises auparavant. Je pouvais excuser un accident ou deux, s'il ne voulait vraiment pas sortir. Ce devait probablement être un ours, me suis-je dit, avant de fermer la porte à clé et de m'arrêter pour la nuit. C'est au cours de la troisième nuit que les choses ont dégénéré, et je ne comprends toujours pas très bien ce qui s'est passé. Sandy n'a pas mangé de la journée. J'ai réussi à tuer un lapin au petit matin, quand Sandy a décidé qu'il ne voulait pas rester dehors plus longtemps qu'il ne le fallait, et s'est retiré à l'intérieur pour la journée. J'ai fait cuire le lapin, j'ai mis un peu de sauce dessus et je l'ai donné à mon chien. Je ne le faisais pas tout le temps, mais je me suis dit qu'il s'agissait d'une occasion spéciale et qu'une friandise le mettrait peut-être de meilleure humeur pour une autre promenade le lendemain. Sandy n'y a pas touché. Il ne l'a même pas reniflé. Au lieu de cela, il s'est assis à mes côtés sur le canapé, observant attentivement l'entrée. Je l'ai glissé sous un de mes bras et il a posé sa tête sur mes genoux, les yeux toujours fixés sur la porte. Près de 3 heures passées à regarder des cassettes vidéo granuleuses sur un téléviseur désuet, Sandy s'est mise à pleurer, se serrant contre mon corps. C'est là que mon jugement m'a fait prendre le mauvais chemin pour la première fois parmi tant d'autres. Cela peut paraître idiot d'être le protecteur de mon chien plutôt que d'être le mien, mais c'était ma famille. Je me suis dit que s'il y avait quelque chose qui effrayait Sandy à ce point, c'était à moi de faire quelque chose. J'ai chargé mon fusil, j'ai ouvert la porte, je me suis tenu dans l'embrasure et j'ai attendu. J'ai dû attendre au moins une demi-heure, le regard perdu dans le vide. Il n'y avait presque aucun bruit, à part le faible bourdonnement des insectes et le bruissement des feuilles dans le vent froid de l'automne. Les élans ne sont pas des créatures élégantes, et si c'était un élan, je l'aurais entendu venir. Vers la 40e minute, Sandy est parti comme un éclair dans l'obscurité des arbres au-delà du sentier, en aboyant sauvagement. J'ai commencé à m'inquiéter, même si je savais que mon chien n'était pas totalement sans défense dans la nature. Il y avait encore des animaux plus gros que lui qui auraient aimé en faire une bouchée s'il n'y avait pas beaucoup de nourriture pour l'hiver. J'ai entendu les aboiements de Sandy s'estomper au loin, puis s'arrêter complètement. J'ai attendu des heures, debout dans l'embrasure de la porte, mon fusil de chasse armé et prêt à abattre ce qui attendait dans les bois. J'ai attendu des heures que Sandy revienne à la maison. J'ai attendu jusqu'à ce que le soleil perce les arbres. Et j'ai attendu jusqu'à cette nuit, assis sur la marche de mon porche, feignant le manque de sommeil pour voir mon chien revenir. Sandy est revenu, mais pas avant 3 jours. Le brouillard s'était installé à ce moment-là, et il faisait de plus en plus sombre, la nuit peignant le ciel en bleu marine. Les recherches des derniers jours se sont avérées vaines, et j'ai commencé à craindre de devoir partir et trouver des provisions pour les prochaines nuits. Je ne pouvais pas laisser Sandy là-haut, perdu dans les bois, transi de froid et probablement affamé. L'idée qu'il puisse attendre dehors que je le retrouve et le ramène à la maison était déjà assez angoissante. Je préparais le sac accroché au porte-manteau près de la porte avec ce dont j'aurais besoin pour le voyage du lendemain. Je me disais que le lendemain serait le dernier jour avant d'aller en ville et de voir si mon père m'aiderait à trouver Sandy. C'était un homme retraité et grisonnant, mais j'étais sûr que si j'évoquais le nom de Sandy, il serait tout à fait disposé à m'aider à le rechercher. Heureusement, Sandy est revenu avant même que j'aie fini de penser à mon père. Je l'ai vu par la fenêtre, sur le chemin qui mène à la route principale, à quelques dizaines de mètres de la maison. Normalement, je l'aurais entendu se précipiter vers la porte et donner quelques coups de patte, impatient d'entrer. Mais là, c'était différent. Je pouvais voir le reflet de ses yeux, comme des perles vertes dans le brouillard trouble qui avait envahi la maison. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un animal, mais le contour de son corps dans les volutes des épais nuages bas était sans équivoque. Malgré tout, j'ai hésité. Il y avait quelque chose de différent dans son langage corporel. J'ai regardé par la fenêtre encore quelques instants
avant que la raison ne l'emporte sur mon instinct. Sandy pouvait être blessée, me suis-je dit, ou pire encore. J'ai ouvert la porte, mais il n'est pas venu tout de suite. Au lieu de cela, il est resté là, à me regarder attentivement, et comme il n'a pas bougé, je l'ai interpellé en sifflant. « Ici, Sandy !»« Allez, viens là, mon grand !» Je l'ai encouragé à se diriger vers la maison. La façon dont il bougeait était différente. On aurait dit que ses hanches avaient été disloquées et l'angle de ses pattes changeait de direction à chaque pas, comme s'il avait oublié comment marcher correctement. Sa tête était inclinée vers le sol, mais il ne montrait pas les dents. Il n'avait pas l'air agressif. La seule façon de décrire le regard qu'il m'avait jeté était penaud, comme s'il venait de faire quelque chose qu'il n'était pas censé faire et que je lui avais crié dessus pour cela. Je me suis dit qu'il pourrait se blesser en sautant sur la marche surélevée s'il s'était disloqué les hanches. Mais il s'est très bien débrouillé. Sa moitié arrière s'est un peu balancée bizarrement et ses pattes se sont presque repliées sous lui. Mais il ne s'est pas étalé. Il s'est assis sur la marche et ne m'a pas quitté du regard. Ce n'est que lorsque je me suis complètement éloigné de l'entrée, que j'ai ouvert la porte en grand et que j'ai attendu qu'il entre, qu'il a bougé. Il est parti directement vers son lit. Il ne s'est même pas arrêté pour renifler ma main. Il n'est pas venu se faire caresser et il ne m'a pas fait la fête. Il est tout simplement allé directement dans son lit, où il s'est assis et m'a regardé pendant un bon moment. Je suis retourné à mon film. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il ne m'a pas répondu. Ses oreilles ne se sont même pas dressées au son de ma voix. J'ai donné quelques tapes sur le canapé à côté de moi pour lui faire signe de venir, mais il n'a pas réagi. Mon compagnon m'avait manqué, mais je n'allais pas le déplacer physiquement vers moi. Il y avait quelque chose en lui qui me disait que je n'aurais pas dû le laisser entrer, mais j'ai mis ça sur le compte de la bêtise. Et quelques heures plus tard, je suis allé me coucher. Plus j'y repense, plus je me souviens qu'il n'a pas scié une seule fois. Il est tout simplement resté assis comme une statue. Et quand j'ai éteint la lumière, je pouvais encore voir le reflet vert jade qui me suivait quand je suis entré dans ma chambre et que j'ai fermé la porte. J'aurais juré l'avoir entendu marcher dans la nuit. Le bruit de ses ongles claquant contre le plancher en bois, arrivant jusqu'à la porte de ma chambre. Mais ils étaient lents et délibérés. Ce n'était pas comme la rapidité avec laquelle Sandy se rendait compte que j'allais me coucher et venait se blottir contre moi. J'ai entendu les bruits s'arrêter juste à l'extérieur de ma chambre, mais je n'ai pas entendu de gémissement. Je n'en ai rien pensé, j'ai sombré dans un profond sommeil. Quand je me suis réveillé le matin, je me suis dit que je n'avais fait qu'un mauvais rêve. Sandy était toujours assis dans la position verticale dans laquelle je l'avais laissé quand je m'étais couché. C'était comme s'il n'avait pas bougé d'un poil pendant toute la nuit. Et quand je lui ai dit bonjour, il n'a même pas remué la queue. Il m'a suivi dans la cuisine, puis il s'est arrêté sur le seuil de la porte lorsque j'ai posé sa gamelle sur le sol et que je l'ai rempli de nourriture pour chien du supermarché. Une fois de plus, sa moitié arrière bougeait bizarrement alors qu'il se dirigeait lentement vers moi. J'avais le sentiment tenace que quelque chose n'allait pas dans son apparence ce jour-là. C'était comme s'il avait pris un peu de longueur pendant la nuit. Sandy s'est de nouveau voûté, comme lorsqu'il se dirigeait vers la porte la veille au soir. Il n'est pas entré dans la cuisine. Je me suis dit qu'il devait avoir faim après avoir passé tant de temps dans la nature. Mais il m'a regardé comme s'il s'attendait à ce que je m'approche un peu plus de lui plutôt que de toucher à la nourriture. Cela va sans dire, mais après quelques instants d'un concours de regards entre moi et mon chien qui ne clignait pas des yeux, j'ai renoncé à cette bêtise et j'ai appelé son nom à haute voix. Il n'a même pas bronché. Je ne voulais pas me rapprocher de mon chien pour quitter la porte de la cuisine. Mais c'était mon Sandy, et le plus grand mal qu'il ait jamais fait, c'est de manger des mouches. Bien sûr, lorsque je suis passé devant lui, il s'est retourné et son corps s'est balancé de façon anormale. Mais il n'a pas bougé vers moi. Quand je suis parti ce jour-là, je n'ai rien trouvé. Les traces de serre dans la boue avaient été faites quelques jours auparavant et s'en allaient à froid sur des sentiers naturellement tracés dans les bois.
Je n'entendais ni insectes, ni oiseaux, ni même le hurlement d'un coyote à proximité. Les seuls sons à des kilomètres du campement étaient ma propre respiration et le crissement des feuilles sous mes pieds. Lorsque le soleil a commencé à se coucher, j'ai pris le chemin du retour. Mais j'aurais dû faire mes valises et partir. Juste derrière un groupe d'arbres, avec la maison juste visible au-delà de l'élévation, je me suis dit que j'avais trouvé la raison pour laquelle les animaux avaient abandonné cet endroit. En général, quand il y a des morts massives d'animaux, cela signifie que quelque chose ne va pas dans la zone du massacre, et les animaux sauvages sont généralement assez intelligents pour se tirer d'affaire. Même les chats sont élevés instinctivement pour ne pas aimer boire l'eau qui se trouve à proximité de leur nourriture. Parce que si un animal trouve un autre animal mort près d'un ruisseau, il comprendra que le ruisseau est contaminé, et il essaiera de trouver une autre source d'eau. Des centaines d'écureuils ont été éventrés et éparpillés dans l'herbe en un cercle presque parfait. La plupart d'entre eux étaient écorchés vifs, mais quand je me suis retourné pour vomir tout le contenu de mon estomac, il y en avait quelques douzaines qui étaient à l'envers. Je n'ai pas pu m'empêcher de vomir à plusieurs reprises, alors que je faisais de mon mieux pour contourner le cercle d'organes minuscules et de corps réduits en purée, non seulement à cause de la vue, mais aussi parce que l'odeur était impie. Je ne sais pas depuis combien de temps ils sont là, mais si j'étais tombé dessus plus tôt, je serais parti avec Sandy immédiatement après. Peu à peu, les cadavres ont cessé et se sont transformés en écureuils morts ici et là. Le plus gros cadavre que j'ai réussi à trouver, à quelques mètres de l'aire d'alimentation impie, était celui d'un cerf. On aurait dit que quelqu'un avait décidé de l'écorcher vivant, de la peau au cou, et de draper une partie de la peau sur une branche, comme si quelqu'un était en train de la tanner. Je ne sais pas depuis combien de temps il était là, mais il sentait comme s'il était mort depuis un bon moment. Et autre fait déroutant, il n'y avait pas une seule mouche. La tête avait été coupée nette juste au-dessus des épaules, et quand j'ai réalisé que les organes avaient été enlevés, je suis passé d'un rythme de marche dans la forêt à un jogging. Heureusement, la cabane n'était pas très loin. J'ai soupiré une dernière fois, je me suis essuyé la bouche sur le revers de ma manche, et j'ai levé les yeux vers la maison pour voir Sandy qui m'observait par la fenêtre. J'ai essayé de me raisonner et de me dire que le comportement étrange de Sandy pouvait être un traumatisme. Je sais que c'est stupide d'y penser maintenant, mais à l'époque, c'était la seule explication raisonnable que j'avais pour ne pas devenir fou. Le corps qui s'allongeait était peut-être simplement dû à la solitude qui m'envahissait. Sandy s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose de louche dans cet endroit, et à la seconde où il l'avait remarqué, j'aurais dû prendre cet avertissement et repartir en ville. Une fois la porte refermée derrière moi, j'ai commencé à ranger la nourriture et les objets essentiels dans des cartons, en faisant vite pour essayer de mettre mes affaires dans la voiture avant la nuit. Il serait dangereux d'essayer de se frayer un chemin à travers les sentiers la nuit, car les collines de Kelly's Mountain sont abruptes, et dans l'obscurité totale, avec pour seul compagnon mes phares, il aurait été facile de glisser d'un ravin et de mourir écrasé à quelques centaines de mètres plus bas. Je ne voulais pas rester une nuit de plus, mais je n'avais pas le choix. Je suis rentré à la maison quelques instants avant que le soleil ne s'éloigne de l'horizon et que nous soyons à nouveau baignés dans un ciel bleu marine. Je n'ai pas fait attention à Sandy. Il s'est assis sur son lit et m'a regardé faire mes valises. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de mal et que je mettrais ses affaires dans le camion demain matin et que nous serions de retour en ville avant la nuit du lendemain. Je l'ai regardé un instant et j'ai pensé en passant qu'il avait l'air un peu plus long aujourd'hui. Et quand je suis allé me coucher, j'ai eu du mal à trouver le sommeil pendant les quelques heures qui ont suivi. Il devait être près de 4 ou 5 heures du matin quand je l'ai entendu. Le son d'un sifflement. Le même sifflement que j'utilisais pour appeler mon chien. J'ai eu des sueurs froides quand j'ai réalisé que celui qui avait abattu ses écureuils, accroché la peau, laissé ce dont il n'avait pas besoin, aurait très bien pu s'introduire chez moi. La porte de ma chambre n'a pas fait de bruit lorsque je l'ai ouverte lentement, heureusement. J'ai attendu un moment, écoutant quelqu'un appeler mon chien pendant quelques secondes encore, avant d'oser sortir la tête de l'encadrement de la porte
pour jeter un coup d'œil et voir qu'il avait pu faire du mal à Sandy. La porte extérieure était ouverte. Tout ce que j'ai vu, c'est la moitié arrière de Sandy, trop longue et trop maigre, presque enroulée autour de l'arrière de la porte. Sa moitié avant était à l'extérieur. Quelle que soit la chose qui s'était fait passer pour mon chien, elle sifflait lentement, appelant Sandy. Quand j'aurais juré qu'il était à nouveau recroquevillé sur le sol et avait dit « Sandy » de la voix la plus impie que j'ai jamais entendue, j'ai refermé la porte aussi doucement que je l'avais ouverte. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu, le dos appuyé contre la porte. Je savais que j'avais laissé mon arme dans le sac sur le porte-manteau. Je sais que je n'ai pas dormi. J'ai attendu jusqu'à ce que je voie le soleil poindre à l'horizon. Puis j'ai attendu encore, jusqu'à ce qu'il soit midi et que j'ai enfin les couilles d'ouvrir à nouveau la porte et de m'enfuir vers la voiture. Je ne mourrai pas dans cet endroit. Sandy, quant à lui, n'était plus là. Et la porte était ouverte. Sa nourriture n'avait pas été touchée, mais le réfrigérateur était ouvert et toute la viande avait disparu. Je n'ai pas pris la peine d'emballer ses affaires. J'ai juste jeté mon sac sur mon épaule. Je me suis dirigé vers le guet aussi vite que j'ai pu et j'ai mis le contact. Je ne peux pas décrire le sentiment qui m'a envahi lorsque j'ai réalisé que j'allais devoir laisser Sandy dans cet endroit. L'idée qu'il puisse être mort n'a jamais effleuré mon esprit. Je ne pense pas que je pourrais supporter de savoir que ce que j'ai laissé entrer dans ma maison, ce qui a éventré ces animaux, aurait pu faire la même chose avec lui. J'ai descendu les chemins et les routes sinueuses aussi vite que possible, sans dévier des falaises. J'avais l'impression de tourner en rond dans ce labyrinthe qui me ramènerait chez moi, mais lorsque j'ai atteint le trottoir sur la portion de route qui ramenait à la ville, j'ai senti un soulagement m'envahir, pensant que j'étais en sécurité. Au moment où je m'apprêtais à rouler sur le bitume, j'ai senti que quelque chose de dur avait brisé mon pare-brise arrière, envoyant des éclats de verre sur le siège du passager. Je n'ai pu qu'apercevoir la tête décapitée du cerf qui s'est accroché à la vitre non brisée et qui est tombé sur le siège arrière. J'ai pleuré pendant presque tout le trajet du retour, mes mains serrant le volant si fort que mes articulations étaient blanches. J'aimerais pouvoir terminer sur une note positive. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai trouvé Sandy à la maison qui m'attendait. J'aimerais pouvoir vous dire que c'était la fin de tout ça. Une expérience traumatisante dans les bois dont je me remettrai avec le temps. La nuit dernière, j'ai eu du mal à dormir. Je n'arrêtais pas de repasser dans ma tête l'intégralité de mon voyage à Kelly's Mountain. Je me suis dit que je ne dormirais pas avant un moment, et je me suis allongé, écoutant le vent par la fenêtre ouverte. J'aurais juré avoir entendu le sifflement avec lequel j'appelais mon chien, venant de la lisière de la forêt. Mes amis, si vous partez en voyage avec votre chien, je vous conseille fortement de ne pas le perdre de vue trop longtemps. Si vous avez le malheur de le perdre pendant quelque temps, sachez que ce qui revient n'est peut-être pas votre chien. On a trouvé ma petite sœur dans la forêt. Maintenant, on veut qu'elle y retourne. J'ai une famille incroyablement inhabituelle. Mon adolescence a été parsemée d'événements étranges qui ont conduit à une situation presque impossible. Ma famille ne s'est pas constituée de manière traditionnelle, aussi traditionnelle que nous puissions paraître à l'extérieur. J'ai un père et une mère. Mon frère aîné et moi sommes biologiquement les leurs. J'ai aussi deux sœurs adoptées. Ma première sœur, Violette, a été adoptée de façon traditionnelle, par l'intermédiaire d'une agence. Mes parents l'ont choisie et elle est devenue ma sœur à l'âge de 5 ans. Mes parents ont toujours voulu une grande famille et voulaient donner un foyer à un enfant qui était dans le système. Violette nous a donné quelques problèmes en grandissant. Rien de trop fou. Elle a eu un départ difficile, mais s'est bien adaptée. Mon frère aîné était plus problématique qu'elle. Peter n'avait aucune raison d'être comme il était, mais c'était comme s'il était né cruel. Il aimait nous tourmenter, Violette et moi.
Il faisait des choses beaucoup trop violentes pour son âge, comme nous mettre à l'eau. En tant que petit frère, j'ai toujours eu peur de lui. Ma petite sœur est le morceau de notre famille qui nous rend vraiment unique. Nous avons trouvé Birdie à l'âge de 6 ans lors d'un voyage de camping en famille dans la forêt. Mes parents aimaient la forêt et nous, les enfants, étions entourés par la nature. Je me souviens d'avoir observé les oiseaux et les arbres et de m'être senti heureux de ne pas être à l'école. Violette se comportait mieux quand nous étions à l'extérieur. Je pense qu'elle aimait l'ouverture d'esprit. Cela nous a aussi permis de nous éloigner un peu de Peter, qui n'a pas eu beaucoup d'occasion de nous torturer lors d'un voyage en famille comme celui-ci. Lors de ce voyage, la forêt était particulièrement animée. Nous pouvions entendre toute une symphonie de sons d'animaux qui nous entouraient. Il y avait de fortes odeurs florales dans l'air et une brise fraîche qui donnait l'impression d'éliminer l'air pollué de la ville de nos poumons à chaque respiration. Peter avait alors 16 ans et n'avait toujours pas appris à se comporter comme un être humain civilisé. Il donnait des coups de bâton aux petites créatures et essayait d'arracher les nids des arbres avec des pierres lorsque nos parents avaient le dos tourné. J'ai essayé de leur parler de sa cruauté à maintes reprises, mais ils ne voulaient pas en parler. Ils l'ont fait suivre une thérapie à maintes reprises et ils étaient épuisés. Rien ne marchait. Violette avait 12 ans et se préparait à rentrer au collège. Mais elle était tellement gentille qu'il n'y avait jamais rien à craindre d'elle. J'avais 14 ans et seulement quelques années de plus qu'elle, donc je pouvais la surveiller à l'école. Ce séjour en camping semblait être le dernier moment où nous pourrions être une famille avant que nous ne soyons tous trop vieux pour nous en préoccuper. Nous avons fait un feu de camp, raconté des histoires effrayantes et bien dormi la première nuit. Puis le lendemain matin, nos vies ont changé pour toujours. Violette est partie dans la forêt pour explorer et cueillir les fleurs. Et elle était très attirée par les plantes à l'époque et voulait savoir ce qu'elle pouvait trouver. Nous l'avons entendue crier environ 10 minutes plus tard. Maman et papa ont couru vers elle et après environ 20 minutes, ils sont revenus avec une petite fille couverte de terre et enveloppée dans la veste trop grande de mon père. C'était la première fois que nous rencontrions Birdie, ma plus jeune sœur. Nous l'avons appelée ainsi parce que pendant longtemps, c'est tout ce qu'elle pouvait dire. Quand Violette l'a trouvée, deux oiseaux étaient assis près d'elle, comme s'ils veillaient sur elle, et elle a simplement lâché le mot « Birdie ». Elle était nue, grelottante et mal nourrie au pied d'un arbre non loin de notre campement. Elle avait des brindilles et des feuilles dans les cheveux et de la terre étalée sur son visage. Ses cheveux étaient sauvages et bouclés, d'un blond sale avec des reflets plus clairs là où elle avait été exposée au soleil pendant si longtemps. Les médecins ont dit que c'est comme si elle n'avait jamais eu de maison. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment elle était encore en vie. Ils supposaient qu'elle avait vécu de baies et de l'eau du lac, mais ne trouvaient aucune trace d'une famille ou de personne. Ils ne pouvaient pas expliquer son langage et sa capacité à dire « Birdie », ni ses différences de comportement par rapport au cas d'enfant sauvage. Elle marchait, écoutait et comprenait la parole. À part le fait qu'elle avait besoin de nourriture et d'amour, elle était tout à fait normale. Un énorme appel a été lancé pour retrouver sa famille. Ils ont vérifié les cas de personnes disparues, mais personne de crédible ne s'est jamais manifesté. Il a fallu que mes parents se battent pendant des mois contre le système judiciaire pour qu'elle soit autorisée à venir vivre officiellement avec nous. Lorsqu'elle est arrivée chez nous, elle pouvait faire des phrases correctes comme un enfant normal, et les médecins avaient déterminé qu'elle avait environ 6 ans. Papa et maman étaient si heureux de l'avoir ramenée à la maison qu'ils n'arrêtaient pas de dire que notre famille était complète. C'était comme si notre petite sœur avait été littéralement déposée par une cigogne. Birdie était une sœur merveilleuse. Elle adorait jouer dehors et dormait blottie contre notre chat Pebbles, tous les soirs sans exception. C'était si mignon. Il nous a fallu un peu de temps pour remarquer qu'elle avait quelque chose de spécial. Elle est arrivée chez nous en été et tout cet été-là, notre jardin a prospéré. La maison était animée par la famille et le jardin répondait avec des couleurs et des parfums magnifiques. Les papillons le fréquentaient et les abeilles y récoltaient du pollen. Birdie adorait tout cela. Elle passait des heures à les regarder en souriant.
Elle adorait bien sûr le chant des oiseaux. Parfois, elle se réveillait à 5h du matin juste pour s'asseoir dehors pendant qu'il gazouillait. Un jour, à la fin de l'été, notre chat Pebbles a été renversé par une voiture. La personne qui l'a renversé n'a pas pu l'éviter. C'était un accident. Mais il était bien mort. Ses pattes étaient cassées et sa fourrure était imbibée de sang. Violette et moi étions dévastés. Nos parents ont essayé de nous réconforter, mais c'est pour Birdie que nous étions tous inquiets. Ce chat avait été ce qui lui permettait de se sentir chez elle. C'était son petit compagnon. Cette pauvre fille abîmée s'est juste accrochée à son corps sans vie, refusant que quiconque le lui prenne, alors que papa préparait une minuscule tombe dans le jardin. Après environ 20 minutes de creusage sombre, nous nous sommes préparés à enterrer notre animal de compagnie bien-aimé. Je me suis tourné vers Birdie et je l'ai regardé respirer fortement dans la fourrure de son ami mort. Puis j'ai vu que Pebbles respirait. Maman, Pebbles va bien maintenant. On n'a plus besoin de l'enterrer. Birdie a dit en tirant sur le gilet de ma mère. Toute ma famille était sous le choc. Non seulement le chat respirait maintenant, mais il était aussi complètement guéri. Les blessures causées par la voiture étaient inexistantes. Il semblait même plus jeune et plus vif qu'avant l'accident. Nous lui avons demandé comment elle avait fait ça, mais elle n'a pas pu nous expliquer. Elle a juste dit qu'il n'était pas censé mourir comme ça. Après cela, elle a détesté les voitures. Elle a dit qu'elle blessait les choses et qu'elle gâchait l'air pur. Elle était étrangement sage pour son jeune âge, et je me suis souvent demandé si les médecins ne s'étaient pas trompés sur son âge. Mais à tous les autres égards, c'était une enfant de 6 ans. Nous avons observé au cours des mois suivants que les bouquets de fleurs duraient des mois de plus que d'habitude, et que le jardin grandissait et prospérait à une vitesse incroyable. Nous savions que c'était elle, c'était Birdie. Chaque fois qu'elle s'asseyait dehors, les oiseaux l'entouraient, les papillons jonchaient le ciel. Mais Peter détestait Birdie, surtout après l'incident avec le chat. Je pense qu'il était jaloux qu'elle soit spéciale et pas lui, qu'elle reçoive plus d'attention que lui. Il était trop vieux pour être cruel comme il l'avait été avec Violette et moi en grandissant. Cela lui aurait attiré des ennuis. Alors, il a trouvé d'autres moyens de contrarier Birdie, comme abîmer ses peintures avec une tasse de thé renversée accidentellement et volontairement. Il l'a aussi traité de monstre, de choses bizarres et de bébé. Il a même arraché la jambe du premier ours en peluche que papa et maman lui avaient offert en prétendant que c'était un accident. Un jour, il est allé trop loin. Et c'est alors que nous avons découvert que les pouvoirs de Birdie pouvaient aussi aller dans l'autre sens. Birdie avait trouvé deux gros insectes qui vivaient dans le jardin et les avait emmenés à l'intérieur pendant quelques jours pour les étudier dans le cadre d'un projet scientifique à l'école. Les insectes à bâtonnets ne sont même pas originaires de notre pays, mais ce n'était pas une surprise qu'elle les ait trouvés. Nous la trouvions souvent avec des insectes exotiques ou un petit oiseau exotique sur son épaule. Elle adorait ces insectes. Elle les a nommés Stick et Larry, comme un enfant créatif typique. Peter a décidé qu'après une longue journée passée à faire le con, ce serait la cerise sur le gâteau qu'il prenne Larry pendant qu'elle l'est libérée et qu'il le brise devant Birdie en faisant semblant de croire qu'il s'agissait d'un vrai bâton. Birdie était dévastée. Elle a pleuré et s'est assise avec une moitié de Larry pendant des heures. Mais quand il l'a fait, Peter en a jeté la moitié à travers le jardin et elle n'a pas pu la retrouver. J'ai essayé de l'aider, mais elle était inconsolable. Je peux pas le réparer si je l'ai pas en entier. Il était pas censé mourir. Je déteste Peter. Elle avait du mal à sortir les mots entre deux sanglots. Je lui ai dit que moi aussi je le détestais et je l'ai serré dans mes bras. Mais rien ne pouvait la réconforter. Birdie avait plus que de l'empathie pour la nature. Elle la considérait comme une famille. Chaque feuille, chaque insecte, chaque oiseau et plus encore. Cette nuit-là, je l'ai écoutée pleurer jusqu'à ce qu'elle s'endorme. C'était déchirant. Environ une heure après qu'elle se soit endormie, je l'ai entendue se lever pour aller aux toilettes, sanglotant fort en passant devant la chambre de Peter.
La vue de sa porte a dû lui rappeler. Et puis, j'ai entendu un autre bruit. Un bourdonnement. C'était fort, et tout était concentré autour de la chambre de Peter. Il a commencé à crier, et il y a eu beaucoup de coups. J'ai ouvert ma porte, et j'ai vu mes parents sortir de leur chambre et courir vers la porte de Peter. Violette était debout près de sa porte, l'air terrifié, et Birdie était seul, regardant tranquillement la porte de Peter en souriant d'un air hostile. Je n'oublierai jamais la vue de mon frère, littéralement couvert d'un costume de guêpe en colère, piquant chaque centimètre de sa peau, d'autres se déversant par une fenêtre ouverte et aucune ne venant vers l'un d'entre nous, toutes s'agglutinant autour de lui. Mes parents ont essayé désespérément de les éloigner de lui, mais leurs efforts ont été vains. Au bout d'une dizaine de minutes, l'attaque a pris fin. Les guêpes sont parties à l'unisson et le cadavre de mon frère est tombé sur le sol dans un bruit sourd. Il était gonflé, méconnaissable et avait une expression de terreur pure sur le visage, une expression que je n'avais jamais vue chez lui. Birdie, elle, était étonnamment indifférente. Elle regardait les guêpes partir d'un air reconnaissant. Mes parents l'ont supplié de le sauver comme Pebbles, notre chat, mais elle a dit sans embâge qu'il était trop gros. Je ne prétendrai pas que mon frère me manque. Il ne m'a jamais traité comme un membre de la famille et a toujours été cruel envers moi. Mais je ne voulais pas qu'il meure comme ça. Je ne voulais pas voir le cœur de mes parents se briser. Il n'y a pas eu d'autre incident négatif avec le pouvoir de Birdie pendant longtemps. Elle n'a jamais avoué sa responsabilité dans la mort de Peter, mais nous savions tous que c'était elle. Les guêpes s'étaient révélées être des frelons géants asiatiques, que l'on ne trouve pas en temps normal dans notre pays. Mon père a mis cela sur le compte de la rage d'un enfant et d'un manque de compréhension des conséquences. Ma mère n'était pas aussi indulgente. Elle a interagi avec sa fille cadette le moins possible pendant les 3 années qui ont suivi. C'était une mère froide et indifférente, remplaçant la femme qui s'était désespérément battue pour cette petite fille. Maintenant, elle avait peur d'elle. L'incident suivant s'est produit lorsque Birdie avait 9 ans. Elle avait alors appris que les autres personnes ne pouvaient pas faire ce qu'elle faisait et qu'il fallait qu'elle le cache au moins un peu. Nous avions toujours le meilleur jardin de la ville, mais elle avait appris qu'il valait mieux jouer avec les lémuriens dans le jardin le soir quand il n'y avait personne. Cela m'inquiétait qu'elle ait un tel contrôle à un si jeune âge. À l'école, un garçon s'était moqué d'elle, la traitant de monstre parce qu'il l'avait surprise en train de chuchoter à un arbre. Ce même garçon a été soudainement mordu par une araignée recluse brune, ce qui a semé la panique dans la région, car ces araignées extrêmement venimeuses étaient maintenant en liberté dans la ville. Le jeune garçon a passé 3 mois à l'hôpital avec un ulcère infecté de la taille d'une balle de tennis avant que son petit corps ne rende l'âme. Birdie était vraiment dangereuse. Les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. En grandissant, elle est devenue de plus en plus consciente du monde et de ses maux. Elle est particulièrement préoccupée par les questions environnementales et se met très facilement en colère. Plus elle grandissait, plus les animaux et les menaces devenaient importants. À 11 ans, elle était à l'origine de cas de blessures causés par des scorpions, des chats sauvages, des renards et même des plantes vénéneuses, parce que des écoliers faisaient pipi dans les parterres de fleurs et que des professeurs faisaient des démonstrations de dissection. Notre famille avait peur de marcher accidentellement sur un pissenlit. Elle a invoqué certaines des créatures les plus étranges et les plus fantastiques que j'ai jamais vues. En vacances, nous nagions dans la mer lorsqu'elle a vu un homme laisser tomber sa canette de bière dans l'océan. Il a rapidement été entouré par des centaines de méduses, évitant soigneusement toutes les autres personnes sur leur chemin, juste pour attaquer cet homme en particulier. Il est mort dans d'atroces souffrances dans l'océan, tandis que ma petite sœur s'est contentée de sourire. Elle a 13 ans maintenant, et est devenue une adolescente à part entière, des crises de colère et des drames à propos de tout. Tous les adolescents font ça. Mais Birdie
est vraiment effrayante. Là où on l'a trouvé entouré de papillons avec un bourgeon exotique sur l'épaule, il est maintenant plus probable qu'elle chuchote par un interstice de sa fenêtre à un vautour avec une tarentule venimeuse sur l'épaule. C'est comme Mère Nature, les années de puberté. On doit faire attention à chacun de ses pas. Chaque plante peut nous tuer. Un animal peut nous tomber dessus au détour d'une rue. Ou bien on doit regarder sa sœur de 13 ans tuer une personne, en sachant qu'on ne pourra jamais prouver que c'était elle. Je ne savais pas quoi faire. J'étais pétrifié. Violette et moi sommes toujours très proches, bien qu'elle soit partie à l'université. Je suis allé directement travailler moi-même et je suis resté à la maison. Et avec Violette, nous parlons de temps en temps. Quand elle rentre à la maison, elle voit ce que je veux dire. Des incidents mineurs se produisent presque tous les deux jours, et des incidents majeurs environ une fois par mois. Cela devient incontrôlable. Alors, nous avons élaboré un plan. Ce week-end, nous avons proposé à nos parents de faire du camping en famille, à l'endroit où nous avons trouvé Birdie pour la première fois. Elle a toujours demandé à y retourner et à le voir, mais ils ont refusé à cause des circonstances. Après tout ce qui s'est passé, ils ont désespérément besoin de quelque chose qui pourrait ralentir les incidents de Birdie. Alors, ils ont accepté assez rapidement de nous ramener tous. Ils pensent que si elle voit ce qu'elle a comparé au néant d'où elle vient, elle se détendra et arrêtera ses crises d'adolescente. Violette et moi, nous avons essayé de ressentir ce que nos parents en pensent. Nous l'avons vraiment fait. Mais nous ne croyons pas qu'elle puisse changer. Elle a tué 9 personnes et elle n'a que 13 ans. Alors ce week-end, nous allons la tuer et l'enterrer sous l'arbre sous lequel Violette l'a trouvée, un peu comme si on l'a plantée pour qu'elle puisse retourner à la nature. Nous aimons notre sœur, mais nous ne pouvons pas laisser d'autres personnes mourir. La plus grosse chose que je l'ai vue sommer est une hyène et elle continue de grandir. Nous ne pouvons pas prendre le risque qu'elle soit en vie. Nous ne pouvons tout simplement pas. Nous pourrions ne pas réussir. Nous pourrions être attaqués par des monstres et mourir. Mais nous devons essayer. Ma famille est maintenant rentrée de notre voyage en camping. Je ne sais même pas par quoi commencer, car les choses ont été incroyablement mouvementées. En fait, avant de partir au camping, j'avais commencé à avoir des doutes à propos de notre plan de la tuer. J'ai décidé d'en parler à Violette pour que nous puissions aborder toutes les autres options possibles. Elle était à la maison pour l'été, alors nous sommes allés prendre un café pour que notre famille ne puisse pas nous entendre. Nous avons parlé de canaliser les talents particuliers de Birdie vers la conservation de la faune et le changement climatique pour sauver la Terre. Nous l'imaginions en train de nettoyer les océans d'un seul geste et de faire repousser les forêts tropicales en s'y asseyant. C'était bizarre de parler d'elle comme ça, de cette petite fille couverte de terre sous l'arbre, comme si c'était une super-héroïne. Pendant un instant, nous avons presque oublié que nous avions précédemment discuté de l'enterrer sous ce même arbre. On en fait quoi de ces crises de colère? Même ces petites attaques sont dévastatrices. Demande Violette. Elle avait moins envie de changer le plan. Elle était terrifiée par Birdie et n'en avait pas honte. Elle avait déjà subi des traumatismes avant d'arriver chez nous, et le fait de voir ce que Birdie avait fait à Peter lui avait bousculé la tête pendant longtemps. Nous avons tous les deux reconnu que Peter ne nous manquait ni à l'un ni à l'autre, mais l'image de son corps gonflé, déformé, nous hantera tous les deux toute notre vie. Mais on doit sûrement essayer! Tu l'as trouvée, elle est de la famille. Et parfois, elle fait des trucs vraiment cool, comme la fois où elle t'a laissé jouer avec un koala dans le jardin quand t'avais eu une mauvaise journée à l'école. J'ai essayé de me remémorer avec Violette les bons moments passés avec Birdie pendant des années. Je me rappelle l'avoir tenue pendant qu'elle pleurait devant l'image du cadavre de Peter. Cela a pris beaucoup de temps, et nous avons dû rester assis dans le café pendant au moins 3 heures. Mais nous avons finalement décidé que nous allions essayer de la raisonner et que si cela ne fonctionnait pas, nous reviendrions à notre plan initial. Je sais que les gens vont penser que nous avons agi avec précipitation, en recourant au meurtre. Mais personne n'a vécu ce que nous avons vécu ces 7 dernières années, à éviter le sumac vénéreux et à toujours devoir porter des chaussures au cas où un scorpion se serait échappé.
se tordre de terreur chaque fois que l'on entend une mouche bourdonner, sans parler du fait qu'on a assisté à la mort de plusieurs personnes. Samedi matin, nous avons donc préparé la voiture. Nous sommes rentrés et nous nous sommes préparés pour le voyage. Nos parents étaient tellement excités. Birdie était aussi paisible que peuvent l'être des adolescents lunatiques et nous avions l'impression d'être à nouveau une vraie famille. Le trajet en voiture a été long. La forêt se trouvait à environ 2 heures de notre maison et il faisait chaud. Nous transpirions tous et les liens familiaux que nous avions tissés au début ont rapidement disparu. Birdie avait insisté pour avoir un siège côté fenêtre, maintenant qu'elle avait 13 ans. Elle dit qu'elle était trop âgée pour être toujours coincée au milieu et que nous pourrions établir un système de tours. Elle était juste à ce sujet, et ni moi ni Violette n'avons l'intention de contrarier Birdie. Alors nous avons accepté et Violette a pris le siège du milieu. À peu près à la moitié du trajet, nous savions que nous étions dans le pétrin. Birdie s'amusait à regarder la campagne qui borde l'autoroute sur laquelle nous roulions, jusqu'à ce qu'elle aperçoive un renard sur la route. Le renard avait été heurté et gisait là, écrasé, tandis que Birdie reniflait un peu. La voiture l'a rapidement dépassé. En fait, Birdie était généralement plus en colère que triste. Mais elle avait beaucoup résisté à la voiture après Pebbles, et voyager aussi loin dans une voiture était quelque chose d'inouï. Elle n'avait jamais vu d'animaux tués sur la route. Cela ne faisait que lui rappeler son chat, mutilé dans ses petits bras. « Pourquoi les voitures ont tué le renard ?» demande-t-elle en reniflant encore un peu. « C'était un accident, ma chérie. Les voitures vont trop vite sur ces routes pour s'arrêter et parfois les renards se précipitent devant elles. » Mon père lui a répondu un peu tendu. Ma mère a gentiment acquiescé. « Mais les voitures traversent la maison des renards, non ?» elle a dit sans embâge, en montrant d'un geste la campagne de part et d'autre de la route. « Pourquoi est-ce que les voitures ne font pas plus attention ?» elle commençait à s'irriter. La voiture était humide. Je ne savais pas si c'était à cause de toute cette tension ou si la chaleur extérieure avait pris cette tournure. Je me sentais moite et un peu malade. Puis le ciel s'est couvert. Un temps de mousson comme on n'en avait jamais vu dans notre pays. L'humidité avait été le signe d'une tempête, mais elle avait à peine duré 30 secondes. Ce devait être elle. Birdie était en train de faire ça. Elle n'avait jamais été capable de changer le temps avant. « Personne ne m'a répondu. » Birdie annonça, son ton encore plus irrité qu'auparavant. Mes parents avaient été trop distraits par les précipitations soudaines et extrêmes pour s'engager dans sa conversation philosophique. « Désolé, ma chérie. » Tu as entièrement raison, les conducteurs devraient être plus prudents. Et la plupart des gens le sont. Mais il arrive encore que des accidents se produisent. Bon sang, il pleut tellement que les essuie-glaces n'arrivent pas à suivre. Mon père a essayé de rester calme, bien que sa déclaration soit incroyablement correcte. Ses essuie-glaces ne pouvaient pas suivre et la visibilité devant lui était affreuse. Il y avait juste tellement d'eau qui tombait du ciel. Les voitures autour de nous avaient ralenti et toutes avaient du mal à neutraliser leur vitesse. J'ai regardé en arrière et j'ai pu distinguer les silhouettes dégoulinantes d'un carambolage de 3 ou 4 voitures qui se trouvaient à environ 2 voitures derrière nous et qui s'approchaient du virage. J'ai regardé Birdie, incrédule, qui regardait le chaos flou par la fenêtre arrière et qui souriait, ce même sourire méchant qu'elle avait donné à Peter lorsqu'il est mort. « C'est toi qui as fait ça ?» Violette lui a crié dessus. La pluie se calmait et laissait un magnifique arc-en-ciel dans le ciel alors que le soleil brûlant émergeait à nouveau. « Pourquoi t'es tout le temps en train de m'accuser ? Ils l'ont probablement mérité de toute façon. Ils auraient dû faire attention en conduisant ces horribles machines de mort. » Elle a tapé sur la vitre de la voiture. Birdie n'avouait jamais directement quoi que ce soit. « Alors tu l'as fait ?» Violette a insisté. J'étais étonné de la voir se défendre. Non, je n'ai jamais dit ça. Tais-toi, Violette. Fermez-la toutes les deux. Ma mère a répliqué en criant. Elle ne disait pas grand-chose ces derniers temps, mais elle ne mettait certainement pas Birdie au défi. Quand elle disait quelque chose, nous savions qu'il fallait l'écouter. Le reste du trajet en voiture a été court, mais silencieux et gênant.
nous sommes arrivés au camping environ une demi-heure après avoir quitté l'autoroute et nous avons commencé à déballer la voiture. Dès que Birdie est entrée dans la forêt, elle a changé. C'était comme si le monstre de la puberté avait complètement disparu. Elle s'est mise à monter les tentes avec enthousiasme en évitant soigneusement tous les insectes et toutes les plantes avec les piquets de la tente. Elle s'est assise, les jambes croisées sur le sol, tandis que les oiseaux exotiques et les papillons qui lui rendaient visite lorsqu'elle était enfant occupaient toute la canopée. C'était magnifique. Papa avait essayé d'améliorer l'ambiance avec ses blagues et sa positivité, et Birdie avait même demandé à ma mère de l'aider à fabriquer une petite maison pour les insectes avec des brindilles et des feuilles tombées sur le sol. En regardant la scène, je pouvais sentir la brise glorieuse et le chaud soleil du soir toucher ma peau. Violette m'a tapé sur l'épaule et m'a montré son téléphone. La félicité que j'avais ressentie quelques secondes auparavant avait disparu à nouveau. C'était un article sur Internet qui disait « 10 personnes tuées dans un carambolage » et qui montrait la scène dont nous avions été témoins plus tôt ce jour-là. Sauf qu'elle était beaucoup plus claire. Pas de pluie pour brouiller l'horreur. 10 personnes sont mortes, dont un bébé de 6 mois et un père et une mère dont les jumeaux de 4 ans avaient à peine survécu sur la banquette arrière. Il ne s'agissait que des cas mis en évidence dans l'article. Soudain, regardez ma sœur avec des papillons dans ses cheveux blonds sauvages, profitant d'un peu de temps dans la nature, m'a semblé si sinistre. Elle avait tué des gens, il y a quelques heures, et elle était insouciante. Violette m'a chuchoté désespérément. « On doit le faire. Tu peux pas te dégonfler. On peut pas vivre comme ça. Elle est trop dangereuse, putain. »« On ne peut pas, écoute. Je suis sûr qu'il y a du bon en elle encore. » J'ai sifflé en retour, mais Violette s'est contentée de secouer la tête. « Je le ferai sans toi s'il le faut. » Et sur ce, elle est partie. J'ai passé des lustres à essayer de trouver comment avertir Birdie de ce plan et la raisonner sur son comportement et ses réactions. Lui apprendre les conséquences et la conscience de la vie humaine comme de la nature. Je n'avais qu'une nuit pour y parvenir. Au coucher du soleil, nous nous sommes assis autour d'un petit feu de camp. Birdie avait passé une heure à nettoyer la zone avant que nous nous y installions. Peu de temps après, mes parents ont décidé d'aller dormir dans leur tente et m'ont laissé m'occuper du feu. Violette ayant refusé de quitter sa tente depuis notre conversation de tout à l'heure, Birdie et moi sommes restés en arrière. « Pourquoi tu fais du mal aux gens ?» j'ai demandé. Je me suis dit qu'il valait mieux adopter une attitude directe. « Je ne sais pas de quoi tu... »« Ne mens pas !»« Parce qu'ils font du mal à tout ce qui les entoure. » Elle parlait calmement. La forêt lui faisait du bien. Elle était bien plus agréable qu'en ville. « Ils conduisent des voitures horribles qui tuent des choses. Ils marchent dans un air qui me fait mal à la poitrine et ils se moquent de ce qu'ils jettent par terre. » Ils pensent que les animaux sont moins importants qu'eux. En ville, j'ai tout le temps mal à la tête rien qu'à cause de l'air. Les gens sont dégoûtants. J'étais stupéfait. C'était la première fois qu'elle acceptait une quelconque responsabilité, et encore moins qu'elle l'expliquait. J'ai eu du mal à argumenter, elle avait raison. Mais tu peux faire des choses incroyables. Pourquoi tu as besoin de faire du mal à quoi que ce soit? J'ai répondu. Je sais que c'était une question assez faible, mais je ne voulais pas qu'elle continue à trop parler. Peter allait faire du mal à d'autres personnes. Il aimait faire du mal aux animaux et marcher sur les fleurs et juste causer de la douleur. Toute son existence était nuisible. Je devais lui faire du mal. Parfois, je suis tellement en colère que je ne peux pas m'arrêter. Pourquoi les gens font-ils des choses aussi horribles? La terre est en train de décéder et les gens continuent de la piétiner. C'est mon devoir de leur faire du mal. Une petite larme a coulé sur son visage. Et j'ai remarqué une lueur d'un autre monde autour d'elle. Ses yeux brillaient de mille feux, même dans l'obscurité. Un papillon s'est perché dans ses cheveux, et un petit singe se balançait dans les arbres au-dessus. « Birdie, tu es incroyable, mais tu es terrifiante. Nous t'aimons, mais Violette a peur, et j'ai peur que nous avons même parlé de te tuer pour protéger les gens. » J'ai décidé d'être honnête. C'était un risque énorme, mais je devais essayer. Et ça se passait bien jusqu'à présent. « Vous vouliez me tuer ?» Son attitude a changé. Elle s'est mise à sangloter. J'ai essayé de lui expliquer que nous avions tort, que je voulais l'aider. Mais le mal était fait. Elle n'avait plus que la rage en elle.
les larmes se sont taries et le ciel déjà sombre de la nuit s'est noirci. J'étais terrifié. Tout ce qu'elle pourrait envoyer pour moi serait plus difficile à repérer dans cette obscurité. La lumière du feu de camp me permettait de distinguer des formes, mais si elle envoyait des serpents ou des araignées à mes trousses, j'étais foutu. J'ai pris le risque de la serrer dans mes bras. Je lui ai dit que j'étais désolé et je l'ai supplié de me pardonner. L'environnement semblait vraiment la calmer parce qu'elle m'a serré dans ses bras en retour. Je sentais que ça allait être un moment décisif, jusqu'à ce que je la voie. J'ai vu une silhouette se glisser derrière elle, Violette. Je l'ai vue émerger et attraper Birdie par les cheveux. Elle l'a traînée pendant une minute dans la forêt jusqu'à l'arbre sous lequel elle l'avait trouvée il y a des années. J'ai couru vers elle pour essayer d'arracher Birdie à Violette, mais Violette était déterminée. Et je ne pouvais pas gagner sans blesser Birdie à mon tour. Birdie a crié. Et j'ai alors vu le spectacle le plus spectaculaire de ma vie. L'arbre s'est penché vers le bas à une vitesse rapide, se tordant et se déplaçant avec le vent, ses feuilles bougeant à l'unisson parfait comme un système écologique entier respirant ensemble. Une branche a tremblé comme un poing se préparant à frapper, puis s'est élancée vers eux. Birdie s'accroupit au bon moment et la branche frappa Violette en plein visage. L'arbre a repris sa position normale presque instantanément. Je me suis figé sous le choc. Violette hurlait de douleur. Son nez était brisé et son visage couvert d'échardes profondes et sanglantes. « Vous êtes censé être ma famille. Pourquoi vous faites ça ?» Birdie a crié vers Violette qui se tordait de douleur sur le sol. La sensation est alors revenue, la chaleur humide et oppressante, la chaleur moite. La pluie a recommencé à tomber, cette même pluie lourde et non naturelle qui avait causé l'accident plus tôt. « Birdie, arrête ça, s'il te plaît !» J'ai crié. Le lointain feu de camp avait été éteint par la pluie, et nos parents étaient maintenant sortis de leur tente et essayaient de savoir ce qui se passait. Il leur a fallu un certain temps pour nous trouver dans l'obscurité. Ma mère a couru vers Violette et a essayé de la réconforter alors que du sang coulait sur son visage. Elle avait été frappée si fort qu'elle avait certainement subi une commotion cérébrale. Mon père a essayé de calmer Birdie, mais ça n'a pas marché. Elle n'arrivait pas à se remettre de l'attaque de Violette. Je m'étonnais que nous soyons tous encore en vie à ce moment-là. Ce fut rapidement une masse de cris que personne ne pouvait entendre par-dessus l'incroyable averse. Il a fallu un certain temps, mais Violette s'est relevée du sol et s'est dirigée vers Birdie. J'ai remarqué qu'elle avait sorti un couteau de la poche de sa veste. J'ai crié pour qu'elle s'arrête, mais c'était trop tard. Birdie avait repéré le couteau. Lorsque le premier oiseau est descendu du ciel presque à la verticale, j'ai perdu le fil de la situation pendant un moment. C'était si majestueux de le voir filer à toute allure dans le ciel, coupant la pluie brutale comme du beurre, jusqu'à ce qu'il enfonce son bec dans le crâne de Violette. Puis un autre, et un autre, et un autre. Des centaines d'entre eux se sont concentrés depuis le ciel, laissant des gouges sur tout le corps sans vie de Violette. Elle est restée affalée sur le sol. Birdie restait là, en souriant. La pluie s'est arrêtée. « Vous auriez pas dû essayer de me faire du mal. » Elle a dit avec venin au cadavre de ma sœur. Mon cœur s'est brisé en regardant la scène. Violette a l'air méconnaissable avec des trous en grappe sur tout le visage, des plumes jonchées autour d'elle. À ce moment-là, ma mère catatonique a levé les yeux de sa fille aînée vers sa cadette. Elle a fixé Birdie dans les yeux pendant ce qui lui a semblé être une éternité. Puis elle a parlé. « Tu as tué deux de mes enfants. » Tu n'es pas une de mes enfants. Tu n'es pas la bienvenue pour revenir avec nous. » Je n'arrivais pas à croire les mots qui sortaient de la bouche de ma mère. Elle avait aimé cette fille dès le moment où nous l'avions trouvée. Même si elle était en deuil de Peter, elle n'avait jamais été cruelle avec Birdie. Elle était juste distante. « Tu n'as jamais été ma mère. Ma mère, c'est la terre sous mes pieds et les feuilles des arbres. La race humaine est en train de tout tuer. » Ma bouche est restée ouverte pendant que Birdie répondait. «
Je ne veux pas en faire partie. Je me sens chez moi ici. Je ne peux pas être comme les gens. Je dois aider les choses qui sont vivantes à survivre. Je voulais que ce soit aussi l'humanité, mais c'est un tel fléau pour tout le reste. Pourquoi en sauver un quand tu peux en sauver 1000 ? Et si je dois tuer toute la race humaine pour sauver les autres espèces de cette planète, je le ferai. Elle s'est enfuie dans la forêt. Mon père a essayé de la poursuivre, mais il est revenu une heure plus tard et n'avait pas réussi à la trouver. Mon père et moi avons enterré Violette sous l'arbre. Nous avons pensé qu'elle pourrait au moins donner la vie et vivre comme une partie de la forêt. Ma mère a passé toute la nuit à pleurer près de cet arbre. Quand le soleil s'est levé, nous avons cherché Birdie encore plus loin. Nous avons cherché toute la journée, mais elle n'était plus là. En regardant le ciel se coucher, nous avons décidé de remballer la voiture. Ma mère pleurait toujours sur la banquette arrière, serrant le sweat à capuche de Violette qui avait été emballé dans sa tente. Le trajet jusqu'à la maison s'est déroulé dans le silence. J'ai perdu mon grand frère et ma petite sœur, mais Birdie est toujours là. Et je sais que je la reverrai. Je sais que le monde entier la reverra. Lorsque nous avons enfin atteint notre maison, je suis allé directement dans ma chambre. J'ai jeté mon sac sur le lit et j'ai regardé notre jardin, où j'avais partagé tant de souvenirs avec mes frères et sœurs. Je me sentais si seul. Mais juste à travers les buissons et les arbres, j'ai vu du mouvement et j'ai regardé dans les yeux d'un magnifique tigre. Il était énorme et fort, rien à voir avec nos précédents visiteurs exotiques, plus petits. Mais il avait des yeux familiers. C'étaient les siens. Et je sais qu'elle nous observe. Elle devient de plus en plus forte et la race humaine n'a aucune chance contre elle. Le pire choix de ma vie. Si j'échoue, je deviendrai un monstre. Le succès, les progrès et les réalisations sont de drôles de choses. Ce sont des concepts difficiles à mesurer. Est-ce que quelqu'un réussit parce qu'il excelle dans le domaine qu'il a choisi ou s'agit-il plutôt de faire mieux que les autres ? Le succès est-il personnel ou s'agit-il d'une compétition sans fin ? Je ne connais pas vraiment la réponse. Je sais juste que je n'ai jamais eu l'impression d'avoir vraiment réussi quoi que ce soit. J'avais un bon travail, une femme aimante, de bons amis et des loisirs qui me plaisaient. Selon des critères mesurables, ma vie aurait dû être sacrément satisfaisante. Mais je n'ai jamais été le meilleur dans aucun domaine. Je suis devenu directeur adjoint au travail. J'ai épousé une belle femme après que mon amour de jeunesse m'ait quitté pour parcourir le monde. Je suis resté ami avec des gens de l'école que je n'ai jamais vraiment aimés parce que je ne supporte pas d'être seul. Je suis allé pêcher tous les week-ends. J'ai acheté tout le matériel le plus cher et je n'ai jamais rien attrapé. Ça n'a plus l'air si épanouissant, n'est-ce pas ? J'y suis presque, Arthur. L'humain lambda, Arthur. C'est ainsi que mes amis m'ont toujours appelé. L'humain lambda. Comme s'il s'agissait d'un surnom d'enfance affectueux. Sauf que ce n'était pas le cas. Il m'est entré dans la peau, m'a tourmenté et a déclenché une telle colère que j'ai presque tout laissé derrière moi et que j'ai marché jusqu'à ce que je n'ai plus jamais à l'entendre. L'homme lambda. Je ne peux pas me plaindre, j'ai accepté mon sort, et il y a d'autres personnes qui vivent dans une situation bien pire que la mienne, n'est-ce pas ? Je le sais. Je le sais, et cela ne fait qu'empirer les choses. Je sais que je suis l'homme lambda. Je sais que je n'excelle même pas dans la misère. Je sais que je n'arrive même pas à bien faire l'amour. Je suis l'homme lambda dans tout ce que je fais. L'homme lambda. L'échec. C'est aussi un drôle de concept. Est-ce que j'ai déjà échoué parce que je n'ai atteint aucun de mes objectifs, ou est-ce que j'ai réussi parce que j'ai failli y arriver ? Je n'en sais rien. C'est ce que vous apprendrez à mon sujet. Je n'ai jamais les réponses, même si j'ai l'impression de toujours en être proche. En fin de compte, je suis l'homme lambda. Ce matin a commencé comme tous les autres.
J'étais assis à mon bureau, dans mon bureau, à côté, dans le couloir de celui du directeur, plus grand et plus moderne. La réceptionniste m'a informé qu'un homme se trouvait à l'extérieur, affirmant qu'il avait rendez-vous avec moi. Il n'avait donné que le nom de Victor. Il portait un costume trois pièces noir, taillé de façon beaucoup plus professionnelle que celui que je portais. Je me suis redressé sur ma chaise dans un désespoir masculin pour paraître plus grand. À l'intérieur de moi, j'avais l'impression de mesurer 2 mètres de haut. Mais en fin de compte, j'étais toujours l'homme lambda. Que puis-je faire pour vous, monsieur Victor ? Est-ce que vous souhaitez passer un contrat pour nos fournitures de bureau ? L'homme en costume s'est mis à rire. Il m'a traversé d'une manière qu'un rire n'avait jamais eu auparavant. Je me sentais moqué, petit, comme si j'étais extrêmement inférieur à lui. Je ne suis pas ici pour des fournitures de bureau. C'est juste ce que j'ai dit à la dame de l'accueil. Je suis là pour toi, Arthur. Je suis resté interloqué. Comment ça vous êtes là pour moi ? Nous ne vendons que des fournitures de bureau. Des fournitures, je sais. Ce n'est pas pour parler de ça. Je suis ici pour t'offrir une opportunité. J'ai senti mon cœur s'emballer. J'étais en train d'être chassé par une autre entreprise. Quelqu'un avait-il enfin reconnu mes talents ? Quel genre d'opportunité ? J'ai demandé, en plaçant mes mains devant moi sur le bureau, les doigts entrecroisés, en essayant d'avoir l'air important. Le genre d'opportunité qui changerait ta vie, Arthur. Que dirais-tu d'une nouvelle chance ? Il s'est penché, les yeux bleus intenses et sans ciller. Il était si proche que je pouvais sentir la cendre éventée dans son haleine. J'ai ri solennellement, pensant avoir compris ce qu'il se passait. La réceptionniste avait laissé passer un fou. Encore un tour de passe-passe à l'homme lambda. Merci Victor, mais j'ai un petit peu de mal à comprendre ce que vous voulez. Donc si c'est tout, je vais vous demander d'y aller. J'ai pas mal de choses à faire. Je me suis levé et j'ai tendu une main pour serrer la sienne. Mais il s'est contenté de la regarder, de sourire, bien calé dans son fauteuil. Et si tu te rendais sur une plage pendant le coucher de soleil avec Alice ? Mon garçon, tu ne regrettes pas de ne pas avoir fait ce choix différemment ? Je peux te redonner ce choix. Alice. Alice, c'est celle qui s'est enfuie. Mon amour de jeunesse. Comment savait-il pour Alice ? Je me suis rassis, m'enfonçant dans ma chaise. Allons bon, Arthur. Il poursuivit, m'arrachant le contrôle de la situation avec aisance. Comment est-ce que vous savez pour Alice ? Et pour être franc, non. Je ne souhaite pas avoir fait un autre choix. J'aime Linda, ma femme. J'ai sifflé, renvoyant les souvenirs de ma belle Dulcinée dans la boîte où je les avais placés au fond de ma mémoire, il y a toutes ces années. Je sais pour Alice de la même façon que je sais que tu mens. De la même façon que je sais que tu as envisagé de repartir vers elle ce matin. C'est pourquoi ton passeport est dans ta poche. Ne prétends pas que tout va bien. Je sais déjà que ce n'est pas le cas. Mais qui êtes-vous ? J'ai bégayé. Je suis Victor, et je suis ici pour t'offrir une nouvelle vie. Une toute nouvelle vie ? Eh bien, peut-être pas toute neuve. Je devrais être un peu plus clair, n'est-ce pas ? Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Si tu pouvais revenir à l'âge de 15 ans et recommencer ta vie, le ferais-tu ? Il a fait un sourire sauvage, ses yeux bleus restant ouverts et fixés. Il observait chacun de mes mouvements, chaque perle de sueur. Je ne pouvais pas nier que l'offre était tentante. Si j'essayais à nouveau, serais-je capable de gagner cette fois ? La vie n'est-elle pas qu'un gigantesque coup de dé qui détermine si on gagne ou si on perd. Ou alors pouvais-je la contrôler, sachant ce que je savais avec l'expérience que j'avais ? Tout cela n'était même pas pertinent. Il n'avait pas les moyens de faire plier le temps. Et je le savais. Tout le monde le savait. Et ce qu'il disait était vraiment stupide et cruel. Je suis resté silencieux pendant quelques minutes, Victor se rapprochant de plus en plus. J'essayais de me retenir, mais je n'y arrivais pas. C'était comme s'il était un aimant qui tirait mes mots hors de moi. Oui. Excellent. Il a explosé, s'est levé et a tendu la main comme je l'avais fait auparavant. J'ai juste besoin d'une chose de ta part, Arthur. Rien de majeur.
totalement sans conséquence si tu acceptes le marché. » J'ai réfléchi à ses paroles. Je trouvais son offre ridicule, mais Victor y croyait tellement. Il pensait chaque mot qu'il disait. J'avais déjà été crédule auparavant et j'avais l'habitude d'être la cible des plaisanteries de mes amis. J'avais besoin de preuves. Je n'accepte aucun marché sans garantie. Vous ne pouvez pas me remettre en place, alors qu'est-ce que vous voulez dire par refaire ? Eh bien, Arthur, je peux te remettre en place, te réparer, te refaire, te redonner une chance, quoi. Laisse-moi te montrer. Nous y sommes presque. Il fait un clin d'œil et un geste vers ma main encore flottante, en prononçant ces derniers mots, et je grimace. Il savait tout. Peut-être que Victor était plus qu'un fou ou qu'une blague. J'ai pris sa main et j'ai senti une bouffée d'énergie couler dans mes veines. Ma vision s'est brouillée et les murs et les armoires du bureau ont commencé à disparaître. À la place se trouvait une plage, déserte, à part deux personnes que je pouvais à peine distinguer de dos. Déconcerté, j'ai fait un pas en avant, m'attendant à me cogner contre mon bureau. Mais il n'était tout simplement plus là. Je sentais la main de Victor, mais j'étais seul sur cette plage, à observer le couple. J'ai fait quelques pas en avant de nouveau. Ils ne m'ont pas remarqué. Ils se sont contentés de se regarder amoureusement dans les yeux. Au fur et à mesure que je continuais à avancer, ils sont devenus plus clairs. L'homme, bien sûr, c'était moi. Et la femme, comme vous l'avez deviné, c'était Alice. Heureuse. Heureuse dans une autre vie où je n'avais pas échoué, où je n'étais pas l'homme lambda. J'ai senti ma main se refroidir et la vision a commencé à se dissiper. La plage pittoresque a été doucement remplacée morceau par morceau. Mon bureau terne et gris à sa place. Victor était assis en face de moi, un sourire en coin. Puis, il a pris la parole. « Tu vois, tu aurais pu tout avoir. » Il aurait suffi de quelques choix différents et tu aurais été l'homme idéal. Je peux te donner ça. Tu le veux ? J'ai senti des larmes rouler sur mes joues. C'est génial. Maintenant, j'avais l'air aussi pathétique qu'il savait que je l'étais. J'ai ressenti la douleur écrasante de chaque échec. La peur de regretter de ne pas avoir accepté l'étrange offre si je la refusais. De cet homme étrange. Je voulais tellement réessayer, refaire, gagner. Comme vous voulez. Pas encore. Tu dois d'abord accepter ta part du marché. C'est comme ça que les accords fonctionnent, n'est-ce pas? Ils ne sont pas unilatéraux, Arthur. J'allais sacrifier toute une vie en un battement de cœur pour un instant sur cette plage, sous ce soleil. J'aurais donné n'importe quoi pour revoir Alice. Une vie pour une vie, Arthur. Une femme pour une femme. Quand tu auras préparé mon cadeau, je serai là pour t'emmener au paradis. Qu'est-ce que tu en dis ? J'ai avalé une grosse boule dans la gorge. Les yeux bleus de Victor étaient devenus sinistres. Ils étaient remplis d'une soif de sang et d'une malice que je n'avais jamais vue. Plus je passais de temps en sa présence, plus j'étais convaincu qu'il disait la vérité. Il avait un pouvoir sur moi, d'une manière différente de toutes les autres personnes dans ma vie. Les larmes continuaient de couler, maintenant pour Linda et non pour Alice. Et j'ai acquiescé. Peu de temps après, Victor s'est levé et s'est dirigé vers la porte. « Attendez, comment ça se passe ? Comment je fais pour me refaire ?»« Je viens de te dire comment. Je te verrai quand tu seras prêt à recommencer. » Il a fermé la porte grinçante du bureau en bois et j'ai sangloté. Tout avait basculé. Pouvais-je la tuer ? Pouvais-je tuer ma femme ? Elle n'avait jamais rien fait de mal. Et si elle entendait le nom d'Alice, cela ne lui dirait rien. Elle a toujours pensé que nous étions des âmes sœurs, elle et moi. Des âmes sœurs, c'est ce que nous étions, Alice et moi. Peut-être que cette vie aurait été meilleure. Peut-être que j'aurais eu du succès, que j'aurais été directeur. Non, je m'en fous. Et si c'était à refaire, Linda ne m'aurait jamais rencontré. Nous n'aurions pas notre vie et je ne serais pas malheureux. Elle aurait un homme plus satisfait de son sort. Un homme qui l'aimerait comme elle le mérite, pas comme un homme lambda. Si Victor disait la vérité,
ce serait comme si elle n'était jamais morte. Ce serait sans conséquence. C'est ce qu'il a dit. J'étais assis à la table avec ma femme ce soir, en plein désarroi. Et si tout cela était vrai, et qu'Alice ne voulait toujours pas de moi? Et si ce n'était pas moi qui avais choisi? Et si je n'étais tout simplement pas assez bon pour faire mieux? Je ne pouvais pas m'attarder sur les « si », et je ne pouvais pas m'attarder plus longtemps sur ce qui aurait pu être. C'était l'affaire de Victor ou l'abandon pur et simple, sa vie ou la mienne. J'ai donc choisi la voie de l'égoïsme. Après avoir mangé et juste avant de débarrasser la table, j'ai pris un couteau à steak et je l'ai plongé dans la poitrine de ma femme. Ma main a tremblé et la lame s'est enfoncée en dents de soie. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Savez-vous à quel point il est difficile de poignarder quelqu'un, de pénétrer dans sa chair? Et si j'échouais là aussi? Et si je n'y arrivais même pas? Mais j'ai réussi. Pour une fois dans ma vie. J'ai regardé la lumière disparaître des yeux de ma femme et elle m'a fixé avec confusion, se demandant pourquoi quelqu'un qu'elle aimait si profondément lui faisait du mal comme ça. Mon cœur battait la chamade. Où était Victor? Ma femme Linda gisait morte sur le sol et je me tenais debout, seul et couvert de sang, attendant l'homme en costume à trois pièces. J'avais fait ce qu'il demandait. Alors, où était-il? J'ai ressenti la terreur. Je n'avais pas vraiment compris ce qu'était la terreur jusqu'à ce moment-là. J'étais terrifié à l'idée que tout cela n'était qu'un mauvais tour. J'étais terrifié à l'idée de me faire prendre. Terrifié que Linda n'ait pas la vie que j'avais prévue pour elle une fois que j'aurais repris le dessus. Cela fait maintenant une heure et Victor n'est toujours pas là. Il a fait miroiter mon rêve devant moi. Il m'a promis un paradis et m'a laissé avec une femme morte. Maintenant, je dois essayer de repousser cette peur. Peut-être qu'il est en route. Enfin, c'est ce que j'espère. Chambre 331. Mon tout premier emploi a été celui de groom à l'hôtel du coin. Ce n'était pas une chaîne ou un motel, mais un hôtel de luxe relativement tranquille, situé près de ma maison, le Kingfisher. C'est le 15 novembre que je m'y suis retrouvé face à face avec l'horreur et que j'ai vraiment perdu ma confiance en l'humanité. Je me souviens encore de cette soirée comme si c'était hier, quand bien même je ne comprends toujours pas ce qui est arrivé, et j'espère au fond ne jamais le découvrir. Tout ce que je sais, c'est que je ne resterai plus jamais seul ou ne travaillerai plus dans un hôtel de toute ma vie, par crainte que cela se reproduise ou que la prochaine fois, je sois plus qu'un témoin. Quand j'ai commencé à y travailler, c'était une entreprise florissante. Des gens de tout le pays venaient y séjourner chaque fois qu'ils voulaient passer un bon week-end à la plage ou bénéficier d'un séjour luxueux dans une campagne paisible. J'adorais cet endroit. Mais au fur et à mesure que le temps passait et que le pays commençait à plonger dans les problèmes économiques, de moins en moins de gens sont passés. Ne vous méprenez pas, nous étions toujours très occupés, mais nous n'étions plus aussi populaires. Alors qu'avant, nous avions l'habitude de recevoir environ 1500 personnes par week-end, nous avons commencé à nous estimer chanceux si nous en avions approximativement 1100. Ce fut le début du déclin pour la plupart des hôtels de ce genre, et comme de moins en moins de personnes y dormaient, de moins en moins de personnel y travaillait, ce qui signifiait que la sécurité était beaucoup moins présente. C'est à partir de là que j'ai été témoin de ce fameux événement. C'était un jeudi soir assez classique. Nous avions dû héberger environ 300 personnes sur les 15 étages accessibles, donc nous étions bien évidemment assez vides. De toute façon, ce n'était jamais complet le jeudi. Mon service a commencé de façon relativement normale. J'aidais les clients qui arrivaient et partaient, mais vers 21h, mon travail s'est arrêté et j'ai eu un moment de répit. N'ayant plus rien à faire, je traînais dans le hall,
discutant avec des clients attendant un taxi et avec mon ami Craig, qui était à la réception. Après environ une heure à chercher des choses à faire pour me donner l'impression d'accélérer un peu mon service, nous avons reçu un appel de la chambre 331, de la part d'un certain Monsieur Gerald Rogers. C'est Craig qui a répondu, donc je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que le téléphone avait probablement été décroché par accident, mais que d'après le brouhaha, le monsieur qui était dans la chambre devait être éveillé. Il y avait apparemment un barouf sourd et des bruits de mouvement audibles à travers le téléphone. Pensant que je pouvais faire traîner cette tâche, j'ai décidé de prendre les escaliers, et je ne suis donc pas arrivé avant une dizaine de minutes. Lorsque je me suis présenté devant la chambre, j'ai frappé doucement à la porte, ne voulant alerter aucune des personnes qui se trouvaient à cet étage et qui dormaient sans doute. J'ai attendu plusieurs minutes, mais je n'ai pas eu de réponse. Alors, j'ai frappé à nouveau, un petit peu plus fort cette fois-ci, et j'ai entendu une voix basse qui me répondait. « Qui est-ce ?» La personne a demandé. Sa voix était très grave, mais tout de même très claire. Ce n'était rien qui puisse vraiment me mettre mal à l'aise. « Je suis un employé. J'ai été informé que votre téléphone avait été décroché et que vous nous aviez appelé accidentellement. Est-ce que vous pouvez raccrocher ?» lui ai-je demandé. Il m'a répondu « Désolé, je ne peux pas ». Il m'a ensuite demandé de rentrer et d'allumer la lumière de sa chambre. Il m'a expliqué que la porte était déverrouillée. Mais cette fois, sa voix n'était pas grave. Il a élevé la voix comme s'il était maintenant loin de l'entrée. J'ai saisi la poignée de la porte, mais en essayant de la tourner, j'ai constaté qu'elle ne bougeait pas. La porte était verrouillée. J'ai attendu derrière le battant pendant qu'il se rendait compte qu'elle était en réalité fermée et qu'il devait m'ouvrir. Cependant, après plusieurs minutes d'attente, rien ne s'est passé. Lassé, j'ai dit à travers la porte « Je ne peux pas entrer! Raccrochez simplement votre téléphone, ça suffira !» Je me suis alors retourné pour redescendre dans le hall, sans repenser à cette histoire. Une fois de retour en bas, j'ai demandé à Craig si l'homme avait finalement raccroché le téléphone et il m'a répondu que oui. Alors, j'en suis resté là. Une heure plus tard, Craig a dû revenir vers moi pour me dire que le même téléphone, dans la même chambre, avait de nouveau appelé la réception et était de nouveau resté décroché. Pensant que cela devait être une sorte de problème technique venant de la dite chambre, je suis retourné à la 331 en allant beaucoup plus vite que la dernière fois. J'ai continué de procéder en frappant à la porte de façon silencieuse, car il était 23h et nous ne voulions pas de mauvaises critiques de la part des clients. Une fois de plus, je n'ai pas eu de réponse. Alors comme je l'avais fait plus tôt, j'ai frappé un petit peu plus fort. Mais cette fois, toujours pas de réponse. Mes cognements n'ont été accueillis que par le silence. Pensant que le monsieur était peut-être endormi, je suis retourné dans le hall et j'ai pris la grande clé pour me permettre d'entrer dans la chambre 331. En ouvrant, j'ai vu l'homme assis sur le lit. Il regardait en direction de la salle de bain. À part le lavabo qui coulait, la pièce était calme. Extrêmement calme même. Étrangement, l'homme n'avait pas réalisé que j'étais là. Il a continué à fixer la salle de bain. Je me suis excusé de l'avoir dérangé de nouveau et lui ai gentiment demandé de raccrocher. Mais il n'a pas bougé un sourcil. Il a continué à fixer le même point. J'ai fait un pas dans la pièce. Mon anxiété a d'ailleurs commencé à augmenter. C'était effrayant de me rendre compte qu'il ne me voyait même pas. J'étais sur le point d'allumer la lumière, mais j'ai entrevu le téléphone. J'ai immédiatement changé de direction pour aller remettre ce dernier en place sur son support. Une fois mon travail terminé, j'ai tourné les talons et je me suis précipité vers la sortie tout en ayant l'impression que quelque chose était derrière moi et me suivait. En arrivant à la porte, je me suis retourné pour contrôler la pièce du regard une dernière fois. C'est alors qu'il a finalement fait un mouvement. C'était lent, presque imperceptible, et ce n'était qu'au niveau de son visage. Mais c'était déconcertant.
Il a lentement incliné la tête pour éloigner son regard de la salle de bain et m'a regardé, les yeux grands ouverts. J'ai fermé la porte en la claquant de façon assez rapide pour rompre le contact visuel aussi vite que possible. J'ai eu la chair de poule et en redescendant vers le hall, j'ai prié pour que rien en rapport avec cet homme ne se reproduise ce soir. Une fois revenu, j'ai tout raconté à Craig. Il m'a dit que j'étais probablement paranoïaque et que le type était sûrement ivre ou dormait bizarrement. Pour être honnête, je préférais ses explications à ce que je venais de voir et j'ai donc essayé de me convaincre que ce qu'il avait dit était vrai. Au fil de la nuit, l'hôtel est devenu de plus en plus calme et j'ai donc passé du temps à parler avec Craig. Cela m'a rassuré et m'a fait oublier ma précédente rencontre, jusqu'à ce que l'homme appelle une troisième fois. Et tout comme les deux premières fois, il n'y a pas eu de parole au bout du fil, seulement des bruits de pas et des petits gémissements étouffés. Mon estomac s'est noué, et malgré mon bon sens me disant de ne pas y aller, je suis remonté jusqu'à la 331. Cette fois, la porte était légèrement entrouverte, alors j'ai frappé tout doucement et fait grincer les gonds en l'ouvrant, tout en espérant que l'homme n'était pas là. En jetant un coup d'œil dans la pièce, j'ai remarqué qu'il était toujours dedans. Sauf que cette fois, il était sur le lit, face contre terre. La seule lumière qui illuminait la chambre était la faible lampe du couloir, m'empêchant de voir ce qu'il y avait autour. Tout ce que je discernais, c'était cet homme allongé, entouré d'un liquide sombre. Cela me rassurait un peu et me rendait moins anxieux. Craig avait peut-être raison, il avait même certainement raison. Il était probablement ivre et il avait sans doute commencé à se pisser dessus en s'endormant. C'était ennuyeux qu'il ait abîmé nos draps, mais cela rendait l'ambiance beaucoup moins effrayante. J'ai raccroché son téléphone pour la deuxième fois et je suis parti en fermant complètement la porte. Après cela, le reste de la soirée a été plutôt tranquille. Vers 1h du matin, Craig et moi avons terminé notre quart de travail et sommes donc rentrés chez nous. J'ai brièvement raconté à mon remplaçant les problèmes qu'il y avait eu avec l'homme de la 331, au cas où il aurait recommencé. Mais comme j'avais une seconde garde à partir de 9h, je suis parti assez brusquement pour aller dormir. Cette nuit-là, il m'a fallu un certain temps pour m'endormir. Même si je me répétais que ce n'était qu'un homme un peu trop ivre, ces événements me travaillaient trop pour pouvoir fermer l'œil. Ils étaient toujours gravés au fond de mon esprit, m'apportant un sentiment de malaise. Je suis retourné au travail le lendemain matin, et tout semblait aller pour le mieux. Il faisait maintenant jour dans l'hôtel, alors toutes ces petites angoisses qu'on a parfois dans la tête lorsque nous sommes dans le noir avaient complètement disparu de mon esprit. J'ai passé les premières heures de mon service à suivre ma routine. Je transportais les bagages des gens jusqu'aux chambres, j'appelais de nombreux taxis, je me montrais toujours amical envers les clients et je leur parlais souvent de leur soirée et du déroulement de leur séjour. Lors de mon troisième voyage dans le hall, j'ai été accueilli par un grand homme portant un long manteau de cuir entièrement boutonné avec un foulard qui lui couvrait le nez et la bouche ainsi qu'une casquette. Il s'est approché de moi et m'a dit « Désolé pour la nuit dernière, dans la chambre 331. » Je lui ai répondu « Au revoir, Monsieur Rogers, je suis heureux que vous ayez apprécié votre séjour chez nous. » Et sur ces mots, il est sorti de notre établissement. Aux alentours de 11h, j'ai été appelé une ultime fois à la 331. Non pas par le téléphone de la chambre, mais par la femme de ménage. Elle avait appelé parce qu'elle ne pouvait pas entrer et avait besoin que je déverrouille la porte pour elle. Apparemment, sa clé habituelle ne fonctionnait plus, car peu importe le nombre de fois où elle l'avait tournée, la porte refusait tout simplement de s'ouvrir. En arrivant, j'ai voulu la déverrouiller, mais elle a également refusé de s'ouvrir avec ma clé. J'ai donc pensé que quelque chose devait se trouver derrière et bloquer. J'ai passé un appel à la réception pour demander si Gerald Rogers avait bel et bien quitté l'hôtel quand je l'avais vu à 10h, et ils m'ont affirmé que oui. Sachant cela, j'ai décidé qu'il valait mieux forcer le passage. Alors j'ai donné
trois coups de pied dans la porte pour tenter de casser la serrure. Le dernier coup a fonctionné et nous avons pu ouvrir le battant. En entrant, nous avons été horrifiés de voir que la pièce était couverte de sang. Il y en avait partout, dans la baignoire et le lavabo, sur les murs et le plafond. Il y en avait aussi une grande mare qui avait taché tout le matelas. J'avais la nausée. Mon estomac s'est tordu et je me suis senti mal. Je me suis mis la main sur la bouche pour essayer de ne pas vomir. Je me suis retourné pour quitter la pièce avec précipitation. Et lorsque je me suis dirigé vers la porte, j'ai vu ce qui la bloquait. C'était le cadavre de Gerald Rogers. Il était allongé là, près du battant. Ses vêtements avaient tous disparu, sauf son caleçon. Il avait des coupures des deux côtés du corps et il portait ses boyaux autour du cou comme un boa. Cependant, le plus déconcertant était le fait qu'il avait un écœurant sourire formé sur son visage, comme s'il était mort dans un moment d'extase. Il va sans dire que nous avons immédiatement appelé la police. L'enquête a été longue et ardue, et personne n'a jamais su qui avait tué M. Rogers. Peu de temps après, j'ai démissionné. Je ne pouvais pas continuer à retourner sur les lieux de ce crime, pas avec les souvenirs que j'avais. Encore plus tard, l'hôtel a fermé définitivement. Il n'avait pas réussi à se remettre de son image ternie. Je pense souvent aux événements de cette nuit-là, et j'ai trois questions qui me taraudent. Qui était le meurtrier? Aurais-je pu aider M. Rogers? Et pourquoi avait-il l'air si heureux lorsqu'il est mort?